Pour ceux qui ne connaissent pas Futur Immédiat, on a chaque semaine un invité, un sujet, et on essaye d'aborder le futur, les futurs, pour voilà, se cultiver, apprendre, mettre du sens sur tout ça. Et ce soir, avec moi, j'ai Monsieur Philippe Samain. Alors, Monsieur Samain, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là. Ça me fait vraiment fort, fort plaisir. Avec grand plaisir, mais de fumer ma pipe en agréable compagnie. Eh bien, écoutez, le plaisir est partagé, la pipe en moins. Salut Paul, salut Pascal, salut Thibault, salut Tanguy, salut tout le monde. Donc, bienvenue. Et donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai pas encore eu l'occasion de traiter sur la chaîne, qui est l'architecture. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse et me plaît beaucoup. Et c'est un des gros challenges de la transition écologique. Et donc, voilà, c'est 20% des émissions de CO2, c'est près de 50%, enfin, pas l'architecture, mais le BTP, près de 50% de l'utilisation des ressources. Donc, c'est un secteur, évidemment. Salut Wendy. C'est un secteur évidemment dans lequel la démarche est importante et l'architecte est évidemment, merci pour le follow, ours mal léché, l'architecte est évidemment le concepteur de ça et donc il a une responsabilité, je dirais, primordiale évidemment. Alors bon, je ne sais pas si on présente encore Monsieur Philippe Samain, mais donc vous êtes architecte, vous avez. Vous avez étudié à l'ULB, au MIT, vous avez fait de la programmation, vous avez également donné des cours. Alors oui, on le présente. donc voilà, vous êtes architecte renommé, vous avez fait pas mal de créations, je pense qu'il y en a, enfin vous avez travaillé sur plusieurs centaines de projets, plusieurs centaines de constructions réalisées, si je ne me trompe, et vous êtes auteur de ce fameux bâtiment près de Schumann, fait entièrement à base, enfin pas entièrement, mais avec bon nombre de châssis, si je ne m'abuse. Absolument. Est-ce Alors, que... allez, pardon? Non, je disais, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez rajouter peut-être? En fait, je construis un peu partout sur Terre. Et c'est ça qui est si gai. Parce que découvrir de nouvelles cultures, exactement comme vous, monsieur Tess, je suis un curieux de nature. Alors, c'est absolument pas pour faire de la pub, rassurez-vous, mais j'engage vos autres. Pour alimenter leur réflexion, allez jeter un coup d'œil sur notre site web. Vous tapez Philippe Samain ou Samain Partners
Et vous le trouvez assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'il a été construit de manière assez factuelle. C'est pas du tout de la pub pour notre agence, mais c'est la description des projets les uns à côté des autres. Et surtout, et je remercie Métro pour ça, vous avez tous les articles possibles, imaginables, que je m'amuse à écrire depuis grosso modo 50 ans et qui traitent, entre autres, et en particulier du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, de temps en temps, je me permettrai de faire une référence à un autre projet que vous allez, allez voir. Et on peut tout à fait même aller voir sur le site, hein, donc tout est permis et on a le temps de faire exactement ce qu'on veut. Donc voilà. Donc vous avez effectivement pas mal travaillé sur le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout est encore à faire, hein. Oui, bien sûr, mais justement, peut-être vous, parce que, enfin voilà, vous êtes quelqu'un qui avait une philosophie justement de réutilisation des matériaux. Je voyais dans cette conférence sur la réutilisation des matériaux, justement, vous parliez de l'exemple de la ferme chaussée de Bruxelles que vous aviez complètement rénovée. Chaussée de Waterloo, 1537, d'où je vous parle, nous sommes ici depuis près de 30 ans. C'est un bel exemple. Si vous voulez, on cherchait, on était en train, l'équipe grandissait, on squattait les maisons les unes à côté des autres, on enquiquinait nos voisins. Bref, il était temps de trouver un grand lieu, un lieu vaste dans lequel on pouvait péter les plombs sans déranger les voisins, si vous me permettez l'expression un peu légère. Et par hasard, je vois cette ruine. Et j'apprends qu'une promotion est envisagée d'y construire un immeuble à appartement à la grande fureur des riverains. Et donc, de fil en aiguille, je suis parvenu à mettre la main sur cette ruine qui était vouée à la démolition, sauf que il s'agissait d'une ferme construite en 1830 par Baron Stassard à l'époque de la création de la Belgique et que, contrairement à son apparence, elle avait les beaux restes. Et donc, je me suis empressé, évidemment, de ne pas casser tout ce qu'il y avait là, puisque je le recevais en plus de ça gratuitement, parce que tout le monde imaginait que ça valait rien. Donc, ce qui est intéressant quand on recycle, c'est que généralement, ben, on fait des économies. J'ai toujours trouvé absolument absurde de démolir, c'est-à-dire de dépenser de l'argent pour avoir moins après. Alors, je ne dis pas qu'il m'arrive pas de temps en temps de voir dans cette intervention démonter. Démolir rarement parce que, autrement, j'étais rarement dans des vieilles structures en béton, mais avant de. Il faut vraiment que la morphologie de l'existant soit vraiment irrécupérable. Quand on réfléchit, qu'on analyse bien le génie du lieu, tout ce que le lieu apporte, tout ce que l'existant, aussi vilain ou aussi démodé puisse-t-il paraître, contient. L'histoire du lieu et sa mémoire, si vous voulez, c'est captivant à analyser. Donc, je prends le poêlé du bâtiment Europa, c'est un bel exemple. On s'est évertué à garder, non pas uniquement la façade qui était classée, mais l'ensemble de la construction, parce que je ne voyais pas pourquoi on allait tout casser, uniquement épingler, tenir à l'échafaudage une façade. Donc mais si vous voulez, le recyclage n'est qu'une toute petite partie de ce à quoi il faut faire attention. On construit de manière beaucoup moins subtile maintenant qu'il y a un siècle. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants gâtés, que tous les caprices peuvent être passés, et donc on ne réfléchit plus. On emploie ce qu'on trouve dans la boutique du coin, quoi, hein, et Dieu sait si ça peut être à l'échange, j'en doute pas, mais généralement, c'est très dispendieux et très mauvais pour l'environnement. Tout à fait. Et donc, voilà. Donc, le premier truc, c'est donc le bon sens et d'agir sur la logique, une logique d'économie. La poésie, la tendresse qui peut venir du lieu, vous voyez? Tout à fait. Et donc, ça, c'est évidemment une première base. Alors, j'ai une première question dans le chat. Et si jamais, est-ce que vous êtes solastalgique? Pardon? Alors, ben, excusez-moi. À vos souhaits. J'ignore le nom du mot. Tanguy, je pense que ce serait. Donc, est-ce que vous connaissez le mot solastalgique? Non, excusez-moi. Alors, voilà. Ce serait moi non plus. Expliquez-moi. Pas, moi non plus. Et donc,
Peut-être c'est peut-être le Monsieur Jourdan de la solastalgie, mais pour ça, il faudrait qu'on sache ce que c'est. Et donc voilà, donc effectivement, vous avez aussi la notion de l'urbanisme. Et donc, quelles sont justement les choses auxquelles on doit faire attention? Vous disiez, la réutilisation, c'est une des choses auxquelles on doit faire attention. Quelles sont les choses auxquelles on doit faire attention? D'abord, il faut se poser la question de savoir s'il faut encore construire. Hein? Parce que la frénésie de bâtisseurs qui s'est développée depuis 50 ans, on a un stock de carcasses impressionnant. Et donc, c'est assez logique que dans des pays à haut indice de développement humain, hein, parce que faut quand même bien se rendre compte que la planète, c'est pas la Belgique, quoi, hein, et que le Burkina Faso a un rôle à jouer aussi important que Bruxelles. Et donc, et c'est pourquoi je suis toujours ému et captivé de dessiner un centre culturel au Burundi, tout comme un théâtre au Cercle polaire, ou l'école d'architecture de Lubumbashi. Les uns sont faits avec des cités qui proviennent de centrales nucléaires et les autres à partir de termites dans la brousse et avec des brindilles récoltées sur place. Donc, c'est très vaste. Et je crois qu'il y a toujours ces deux. Et le monde est plus toujours comme ça. Hein, et on peut espérer que tout le monde puisse profiter des mêmes ressources. Hein, l'énergie en étant une des manifestations. Mais généralement, on trouve plus de sensibilité dans des collectivités à peu de moyens parce qu'ils ont obligé d'avoir beaucoup d'imagination que les gens nantis. Oui. On en parlait il y a 2 semaines avec un ingénieur. La contrainte est stimulante pour la créativité. Oui, c'est un mot que je ne connais pas, si vous voulez. Tout ce qui commence par con est énervant, d'ailleurs, hein, si je puis me permettre. Mais ce sont des faits. Et bon, je vous disais, pourquoi construire? Mais puis, pour qui construire? Et je peux vous dire que j'ai le bonheur de faire fuir les gens pressés, distraits, capricieux, et d'acquérir la confiance de commanditaires au grand dessein, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire des maîtres d'ouvrage qui ont un réel besoin et qui souhaitent construire quelque chose qui fasse sens et en respect du lieu. Et donc, la première chose dont j'ai besoin, encore que je peux faire des projets théoriques, on reviendra sur le sujet, j'ai d'abord besoin de l'inspiration d'un commanditaire inspiré. Hein? Bien. Et bon, donc, une fois que le commanditaire, qu'on se rencontre, qu'il m'explique son grand dessein, hein, bien, généralement, il a déjà une idée de l'endroit où il voudrait ériger son projet. Et là commence une aventure absolument extraordinaire qui est l'étude. Donc d'une part, c'est explorer la personnalité du commanditaire et tous les secrets de son projet. Hein, Ah, mais attendez, monsieur Sabin, je suis désolé, je dois vous interrompre, mais sur Twitch, il y a une coutume qui est qu'à la fin d'un live, on peut envoyer sa communauté chez un autre streamer. Et je viens de réceptionner un raid de mon ami Davanac. Donc, bienvenue à Davanac et au raid. Alors, voilà, bienvenue sur Futur Immédiat. On est ici avec monsieur Philippe Samain. Pour discuter architecture et durabilité. Et donc voilà, on a commencé les présentations et on est en train de parler de l'esprit qui entretient, comment à quoi faire attention, comment faire un beau projet. Là, Monsieur Samin était en train de nous parler du besoin d'abord d'avoir un commanditaire inspiré pour faire le projet. Voilà, Oui, et bienvenue et je vous laisse continuer, Monsieur Samin. bonjour, je vous en prie. Plus qu'inspiré, c'est-à-dire que ça peut paraître un peu ringard pour le moment pour les jeunes qui nous sommes en contact, mais cette notion toute simple de morale, quel que soit l'environnement philosophique, confessionnel, culturel dans lequel on se trouve, est essentielle. C'est-à-dire que
Je ne peux pas imaginer réfléchir à quelque chose qui ne puisse pas être utile. Et l'utilité, ce n'est pas uniquement une utilité matérielle. Faire un lieu de recueillement est tout aussi utile que de faire une usine. Mais faire une usine est utile aussi. Et après tout, pourquoi faire de belles usines, hein, plutôt, vous savez que j'ai fait pas mal d'aires autoroutières. Tout le monde regardait avec un air ahuri, quoi faire. Hein, on parlait de station essence. Je dois rappeler que le long de la route de la soie, hein, ça fait des millénaires qu'il y a des caravansérails, que, après tout, les aires autoroutières, le long de nos autoroutes, c'est des caravansérails modernes et qu'ils méritent un traitement humain. Hein, ça ne doit pas être un supermarché, uniquement une pompe à essence, ça peut être un espace où on respire. Donc, autant pour le commodité. Mais revenons sur ce que Norbert Schultz appelle le génie du lieu, genius loci. C'est un sujet, c'est infini. Il faut parfois plusieurs mois d'études et une armée de consultants pour débroussailler les mystères du site. Et donc, quand on commence un projet, on s'entoure très souvent d'une vingtaine, d'une trentaine de spécialistes pointus, chacun dans leur domaine, et les plus variés, hein, que ce soit. Et je vais commencer par les sciences humaines, qu'on oublie trop souvent, parce que nous construisons pour des humains, figurez-vous. Hein. Bon, je suis avant tout un constructeur. Ma formation de base est ingénieur, je suis architecte autodidacte et un curieux de nature. Mais donc, me dit après tout, dessiner, ben, c'est une chose, mais l'objectif, c'est de construire quelque chose. Et là, on parlera de ça plus tard, pour combien de temps, hein. Est-ce qu'on construit pour un festival, ce qui est tout aussi légitime, ou pour l'éternité comme les Égyptiens? Ben, c'est quelque part entre les deux, en général, hein. Encore qu'il y a des nuances qui ont un impact immédiat sur ce qu'il conviendrait de faire. Mais revenons au génie du lieu. Je vous donne quelques exemples. Donc, parlons des choses de base. Et il est ahurissant de voir combien c'est oublié la trajectoire du soleil. Tout commence par ça. Hein, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, monte au zénith, hein, au milieu de la journée. Et sa température de couleur varie de 1000 à 10 000 degrés Kelvin. Donc, les choses que l'on voit changent de couleur sans qu'on s'en rende compte tout au fil des heures de la journée. Puis vient la température, qui n'est pas constante non plus d'un endroit à l'autre, ça évidemment, mais dans un même pays ou même lieu, les températures varient selon les jours de l'année, le taux d'humidité, la neige, la brume, la pluie, tout ça est magnifique. Et tout ça, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que ce serait dommage d'avoir une vie sans une goutte de pluie, quoi, hein, ou une vie sans une goutte de soleil. Et à propos de ça, c'est ce qui me fascine dans mes projets lointains. J'ai entre autres fait la structure, la base antarctique belge au pôle sud. Mais en parallèle, je suis en train de faire un théâtre à Rovaniemi, la ville du Père Noël au bord du cercle polaire en Finlande. Et c'est étonnant de voir combien ces questions toutes simples, de climat, de soleil, hein, c'est-à-dire que quand on est là le 25 décembre à midi, ben, il fait pas noir, mais enfin il fait très sombre, quoi. Vous voyez? Donc le vent, hein, le pollen, les odeurs, hein, les sources de bruit. Tout le monde pense au bruit des voitures, mais il y a aussi le bruit des oiseaux, hein, le bruit des branches. Et ce sont donc ça, c'est pour ce qui est l'enveloppe, ce qu'on voit, hein. Puis après, il y a la vie, la végétation, le monde végétal qui peut être très nuisible si on n'y fait pas attention, ou extraordinairement complice d'un projet. Vous voyez, dialoguer avec les plantes, avec les arbres, c'est essentiel. Alors maintenant, je donne un exemple. Je suis en train de faire une maison pour un prof d'UNIF magnifique, un informaticien non seulement très très qualifié, mais aussi poète. Et il a un morceau de bois. Et avec son réseau de connexion, il a un copain qui a été capable de me modéliser en 3D tous les arbres de son terrain. Et donc, la première fois de ma vie où je peux me permettre de dessiner en 3D une maison entre les branches, Mais les vraies c'est branches génial de ça. l'arbre. Hein? Donc, parce que, à propos,
Je suis un techneux, comme on dit simplement. Je crois au bienfait possible de la science et de la technologie. Malheureux qu'elles aient été utilisées, disons, de manière distraite depuis 50 ans. Hein. Or, elles pourraient être bien plus utiles. Hein. Si vous voulez, c'est la belle au bois dormant, la science et la technologie. Leurs usages peuvent être très poétiques aussi, très, très, Tout très à fait. romantiques, très extraordinaires. Bref, donc, alors puis vous allez où la nature du sol, Oui, tout à rocheux, fait. sableux, limoneux, puis à la nature de l'eau, est-ce qu'il y a des courants, est-ce qu'il y a des flux d'eau souterrains, des champs magnétiques? Je ne suis pas du tout en train de rêver. Tous ces éléments jouent un rôle très important quand on réfléchit à un projet. Et puis après, vous avez, abordé toutes les questions lié à la nature toute seule sans l'humain, il y a tout ce que l'humain y a apporté, et tout d'abord l'histoire d'un lieu. Il y a très peu d'endroits sur la planète qui n'a pas une histoire humaine à raconter. Si vous voulez, nous ne sommes que des témoins, on agit dans la continuité d'une histoire. Tout à fait. Je vais donner un exemple on vient de livrer l'année passée ce qu'on appelle le Delta, qui est la maison de la culture au confluent de la Sambre et de la Meuse à Namur. Donc c'était un concours qu'on a participé et qu'on a remporté. Et je me rappelle arriver, et le bâtiment d'origine, voilà un bâtiment que je n'ai pas cassé, que j'ai transformé, de Victor Bourgeois. Ce n'est, avec tout mon respect pour le grand maître, il est décédé 2 ans à la fin du projet, c'est pas lui qui s'en est vraiment occupé, ce n'est pas une de ses œuvres majeures, et il y avait quelque chose qui me dérangeait au niveau du parti. Et en arrivant dans le bâtiment, j'ai eu l'impression d'être dans une zone hostile, un peu désertique. Et une fulgurance m'est venue, parce que ça peut aussi arriver, que le site a, que l'histoire du site induise des pensées immédiates, c'est bien plus fréquent qu'on l'imagine. Et j'arrive en voiture le long de la Meuse, je m'arrête devant le bâtiment et j'y vois. Dit, tiens, il faut venir mettre un élément cylindrique, un tambour, une tour. Hein? Puis, non, c'est fou de mettre ça, oser mettre ça devant l'œuvre de Bourgeois. Et puis, j'oublie aussi vite l'idée, puis je constitue l'équipe et à la chaire historienne, je tombe sur mon ami Philippe Braga, prof d'histoire de l'art et d'architecture à l'UCL, Namurois, qui s'enthousiasme et je note l'équipe et très rapidement, dans les 48 heures, me sort toutes les cartes. Historien ou compétent comme il est, et figurez-vous qu'à l'endroit où cette fulgurance de tour m'était apparue, eh bien, il y avait une tour plus ou moins du même diamètre, hein, il y a 5 siècles. Oui, et comme quoi, il y a des choses. Donc, Tout à fait. bon, évidemment, ça m'a rassuré. Mais donc, Alors, l'histoire. Oui, on a donc attendez, hein, parce que le chat est en train de filer, et donc avant de prendre des jours de retard, donc vous avez bien dit, hein, d'abord le commanditaire, la réutilisation, le lieu et son environnement, et l'apport de l'humain et l'histoire. Alors, on met une pause là-dessus. Je vais voir les questions dans le chat. Alors, ce n'est pas une question, mais Tanguy nous dit que le siège des bureaux de Monsieur Samain a l'air très serein. On dirait un monastère cistercien bouddhiste très apaisant. Donc voilà. Apparemment, on aime bien vos bureaux dans le chat. Merci. Écoutez, vous êtes le bienvenu. C'est en effet. Et oui, c'est les vertus. J'ai quasiment rien fait ici. C'était une vieille ferme. On a nettoyé, on a mis de l'ordre, on a mis du chauffage. J'ai mis un plan d'eau et un chêne qui est là. Ma fille est née. Et voilà, très symbolique. Et puis, on a mis un petit bâtiment en bois autour. Et en effet, pourquoi? Parce que c'est notre seconde maison. À l'heure où je vous parle, mais il y a encore des de mes collègues, collaborateurs, associés qui travaillent, hein, enfin, qui travaillent, qui s'amusent. Hein. Je suis pas sûr qu'on travaille vraiment beaucoup ici. Hein, C'est comme ça qu'on travaille le mieux, c'est en ne travaillant pas. Eh bien, merci beaucoup de nous être bienvenus. C'est vraiment un endroit où on est bien. Ça fait près de 30 ans qu'on est. Et j'ai fait ça avec. Deux bouts de ficelle, hein, parce vous imaginez, retaper 2 650 mètres carrés avec des ronds de carottes, il fait des économies. En effet, et c'est amusant d'ailleurs, je suis touché, vous parliez de ça, parce que, ça c'est l'avantage du Covid, je peux donner une conférence à Bombay
sans passer 3 jours dans les avions. Et donc, je parlais à des étudiants ingénieurs et architectes indiens l'autre jour. Et puis, question time. Hein, et mon collègue professeur en polytechnique là-bas m'a dit, tiens, est-ce qu'il y a un projet dont vous voulez parler de Philippe Samin? Et plusieurs étudiants ont parlé de nos bureaux. Et c'était aussi au propos de l'économie circulaire. Hein, et j'ai la première fois, vous savez que jamais aucune gazette d'architecture n'a publié nos bureaux. Non, Mais c'est pas mal pour autant, mais c'est un exemple. je pense que ça va revenir parce que vous avez une approche qui est celle-là, justement, une approche quelque part durable, qui est juste du bon sens au final. Mais enfin voilà, je pense que le bon sens durable s'est un peu perdu les dernières décennies. Et donc, le futur vous donnera raison dans ce sens-là. Ouais, si vous voulez, pas raison ou tort, c'est tellement logique, c'est une question de tendresse, si vous voulez, c'est cette espèce de complicité avec l'environnement. Hein, c'est tellement gai. À l'heure où je vous parle, ben, je viens de quitter mon bureau, on est en train d'étudier encore une caserne de pompiers. Hein. C'est captivant. Et on est en pleine étude de ce génie du lieu, hein, de découvrir hein, où on fait des économies, mais on s'écarte du sujet. Tout à fait. Mais c'est que c'est passionnant et comme vous êtes passionné, ben, en fait, c'est toujours sympa d'écouter. Donc voilà. Et on peut s'écarter du sujet. Hein. Y a pas de problème. C'est l'avantage de ce médium, c'est qu'on est assez libre. Alors, Dan, c'est une très bonne question et d'ailleurs, je vais la prendre. Voilà. Parce qu'elle fait partie des questions que j'ai préparées de façon un peu plus large. Donc, Dan nous dit une question. Est-ce que les architectes ont conscience d'une possible disparition du sable pour faire du béton? Y a-t-il eu un pays meilleur qu'un autre en termes de rapidité de construction et efficacité des tâches? Chine, etc. Ça fait beaucoup de questions. Attends, hein, Dan, on va d'abord commencer sur le pic des ressources. Et donc, effectivement, j'avais une question, parce que être conscient, j'imagine que vous l'êtes. Donc, voilà, y a une série de pics potentiels annoncés. Le pic énergétique, le sable pour faire du béton, ça peut être le bois, certains matériaux. Et donc, effectivement, on a un challenge incroyable avec l'architecture. C'est comment minimiser l'utilisation des ressources. Enfin, voilà, est-ce que vous l'avez dans le radar? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Et comment parler de ça? ça me permet d'introduire mon opus magnum, qui est un texte que j'écris depuis 3 ans, mais qui reprend. C'est la ligne de route des 30 ans à venir chez nous. Et ça s'appelle QCOCOMA. Quoi, comment construire maintenant? Mais surtout, pourquoi construire? Faut-il encore construire? Et c'est amusant que vous parliez du sable. Mais je me suis évertué à faire une série de graphiques absolument époustouflants, absolument ahurissants sur l'accélération ces 20 dernières années, hein, depuis 2000. Hein, je crois que les gens ne se rendent pas compte de ça. C'était déjà pas triste dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais depuis 20 ans, il y a une déraison, un délire complet dans la consommation, l'hyperconsommation, et heureusement, avec tous les ennuis et problèmes que ça nous pose, que ce Covid s'impose pour calmer le jeu. Je crois qu'il était essentiel d'avoir une catastrophe comme celle-là pour cool down the situation. Alors, en effet, alors là-derrière, il y a évidemment. Mais travaillant en Chine, je veux dire qu'entre ce qu'on raconte sur la Chine ici et la Chine, il y a à nouveau un univers. Hein, je veux dire, j'ai des commanditaires d'un raffinement, d'une intelligence, d'un niveau de culture rarement atteint en Europe. Je me permets quand même de vous le dire. Bon, peut-être que je suis gâté parce que les Chinois qui me voient sont des personnages exceptionnels. Mais la demande, et nous sommes responsables, ça, la manière dont la Chine a été mise sous pression, c'était une cocotte minute, si vous voulez. Hein, et les besoins élémentaires en infrastructure, chaque fois que j'y vais, bon, ça fait un an que j'ai plus été, évidemment, hein, mais vous pouvez pas vous imaginer les voies de chemin de fer, les ponts gigantesques, les gratte-ciel, ça c'est autre chose, hein, mais enfin, qui se construisent par dizaines avec une frénésie hallucinante, parce que
Bref, et donc les Chinois sont les plus gros consommateurs de matières premières pour le moment. Hein. Ceci dit, nous ne sommes pas meilleurs. Donc, en effet, l'abus du sable, hein, on est en train de bousiller des plages pour faire du béton, on se demande de quel droit. Hein, donc, oui, à propos de ça, j'emploie du béton parce qu'il n'y a pas de mauvais matériaux. Mais j'emploie beaucoup plus de bois et d'acier. Hein. Et alors, bon, c'est lié aux questions de recyclage et autres aussi. Hein, et le béton, par exemple, a des grandes qualités, c'est qu'il est très vertueux au niveau environnement, contrairement à ce qu'on peut raconter, parce que, et on parlera d'énergie grise et de CO2 et autres, mais il demande d'être employé avec sagesse. C'est-à-dire que quand on met du béton en œuvre, il faut être quand même plus ou moins sûr que c'est au moins pour 2 siècles. Pas pour une caisse de promoteur qui s'est rasée 30 ans après, parce qu'alors là, ça devient dramatique. Non, mais donc, il n'y a aucun mauvais matériau. Moi, je rêverais de pouvoir construire en pisé. Vous me parliez, Raphaël, que parmi nous, les présents ce soir, il y a pas mal de confrères ou de collègues du nord de l'Afrique, zone du monde que j'admire, que je connais bien, que j'adore. Et bien, je rêverais, moi, un jour d'être sur les traces de Ravero et de construire, comme il l'a fait à Gardaïa, vous voyez, en pisé, en terre battue. Ouais, Ah ça oui, reste un ok. matériau. C'est un matériau extraordinaire. À propos de ça, je m'appelle rénovant un immeuble de maître, un hôtel de maître rue Guimard, pour Petrofina. Un immeuble de 1830, hein, des heures de la Belgique, avec des lambris incroyables, de la dorure à la feuille d'or. Et quelle fut ma stupéfaction, parce qu'évidemment les plans existants n'étaient pas dans la de découvrir que les murs intérieurs étaient en terre. Et donc, même dans un hôtel de maître de luxe en Belgique en 1830, on faisait encore des murs en terre. Et il n'y a pas de raison de ne pas faire des murs en terre, sauf si. C'est le manque d'artisans. Hein. Et vous imaginez, moi je Donc, rêverais ce que vous dites, c'est y a pas de mauvais matériaux. On est effectivement rentré dans une phase de frénésie qui doit s'achever et qui va Non, de toute façon. je peux vous dire, it's over. Ah oui, Je d'accord, ça y est. Non, j'ai le sentiment que maintenant, ça a atteint des summums. Vous savez, je fais une parenthèse, mais en écrivant Cucucoma, j'essaie quand même de ratisser tout Tout à fait. horizon. Hein. Et j'en profite pour vous signaler des ouvrages de Tony Seba, Seba, qui est un intellectuel californien qui a écrit quelques une série de livres téléchargeables gratuitement sur la toile, ce qui quand même aussi élégant. Hein. Et la base, c'est Rethinking Humanity, repenser l'humanité. Hein, puis il en a fait un autre, Rethinking Food and Agriculture, Rethinking Energy, ou je ne sais plus quoi. Hein, et ce sont des ouvrages très très sérieusement faits, voyez, et qui analysent très bien la limite des systèmes. Par exemple, la quantité de viande, l'industrie de la vache est quelque chose d'incompréhensible, de néfaste, ça, c'est pas, et ça ne va pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, le Seba n'est pas le seul à prévoir l'écroulement complet des élevages aux États-Unis, au Brésil, Argentine et autres, où ça a atteint des niveaux incroyables. Et donc, la malbouffe, le machin, donc tout ça est mauvais, et ça va s'écrouler très très facilement. J'ai pas beaucoup d'inquiétude, moi, avec le CO2, hein. Ça va Tout à fait. Il se rétablir. y a plusieurs questions justement sur le béton et le CO2, mais je les prends dans l'ordre. Hein. Donc désolé, je vois bien les questions, mais voilà, on y va comme de toute façon, on a le temps, on y va à notre aise. Et donc effectivement, alors attendez, hein, parce que j'ai vu les questions, mais donc ça c'était la première question sur le béton. Y a-t-il des pays meilleurs que d'autres? Voilà, ça on est passé dessus. Est-ce que la Belgique a été le pire pays pour la construction de quelque chose, vu les délais pour les permis, etc. Donc, est-ce que la Belgique est un pays compliqué pour construire, vous qui avez l'expérience un peu partout dans le monde? Oui, c'est un des pays, curieusement, les plus difficiles.
Et ça provient de notre excès de zèle, si vous voulez, de Belge surréaliste. Hein. C'est vrai que, et il faut quand même être bien conscient qu'on est dans une situation de traumatisé. Le gros de ce qui s'est construit en Belgique ces 50 dernières années est tout simplement épouvantable, hein, et non réfléchi. Et donc, ben, les jeunes intellos en ont marre, quoi, hein. Et finalement, ces jeunes intellos se retrouvent très logiquement plein d'idéalisme dans les administrations à essayer d'en mettre le beau droit. Et donc, ont une, comme attitude, ben, de serrer la vis, hein. Alors, ça va un peu trop loin maintenant, hein. Mais ça va se calmer. Moi, je suis un peu l'empêcheur de tourner en rond. Je les énerve un peu parfois en leur posant des questions qu'ils jugent parfois un peu trop impertinentes. Mais ça a l'avantage, c'est de calmer le jeu un peu. Et est-ce qu'on se fait encore embêter par l'urbanisme quand on est Philippe Samin? Bien sûr, Vous avez pas quand même embêté, un crédit de confiance. mais. Un peu Non. plus, non? Ah, non, attendez. D'abord, ça, c'est une chose. Il faut jamais imaginer qu'on ait droit à ça. Hein, ça, c'est intellectuellement comment indigne. Hein, Ah, mais mais. je ne sais pas, parce que... À partir du moment où, enfin, c'est naturel de dire, tiens, cette personne a fait autant de projets, on a vu qu'elle a plutôt une tendance à le faire dans le sens de l'environnement ou dans le sens d'une certaine Oui, vision, mais ou pas. je peux devenir fou, hein, d'un jour à l'autre. Ça, Hein. c'est pas faux. Oui. Donc, C'est pas bon, faux. non, ce à quoi il faut faire attention, c'est l'excès de zèle. Je vais donner un Alors, exemple. excusez-moi, j'ai une question ici qui est tellement d'à propos, je ne peux pas la laisser patienter. Est-ce que vous connaissez le compte Instagram Ugly Belgian Houses? Non. Alors, je vous l'enverrai après l'émission. D'accord. C'est quelqu'un qui recense des photos de maisons belges. Je pense que voilà, Ah, c'est exceptionnel. oui. C'est que des mochetés. Voilà. Désolé de vous avoir interrompu, mais ça, voilà, c'était vraiment d'à propos. Ça n'aurait pas fait sens après. Voilà. Je vous en Non, prie, monsieur Samin, mais à continuez. propos de réglementation, il y a des choses. Bon, c'est vrai que pour moi, d'abord, je ne copie rien. Enfin, j'essaie de ne rien copier, de retourner aux sources des sciences et du savoir et l'analyse et l'exploration des lieux. Mais surtout de me copier moi-même. Et dès que j'essaye de recycler un truc que j'ai déjà employé, c'est la cata. Donc je suis bien obligé de réinventer ou de redécouvrir à chaque coup. Et évidemment, ça énerve mes copains d'administration parce qu'ils s'imaginent que, bon, maintenant il va se calmer, le samin. Mais non, je ne me calme pas à leurs yeux, non parce que j'ai envie de les énerver, mais parce que, justement, le Genius Loci, le programme, le grand dessein du commanditaire, me fait me poser des tas de questions. Et donc, fatalement, sur des questions, on essaie de trouver des réponses. Et donc, on trouve des réponses qui n'existent à des questions qui n'ont pas encore été posées, qui n'existent pas. Je vous donne un exemple. On est en train de terminer la mise au point du nouveau bâtiment de polytechnique du CELIC de Bruxelles. Ma faculté. Parce que je suis ingénieur de formation. Donc, vous imaginez, j'ai eu des profs extraordinaires, donc je suis très reconnaissant. Et donc, je veux évidemment faire un bâtiment qui soit exemplaire, d'abord au niveau humaniste. Donc, j'écoute d'abord l'avis des historiens d'art avant d'écouter l'avis de mes collègues profs, que je respecte de par ailleurs et que j'aime beaucoup aussi. Mais vous pouvez vous imaginer, dès qu'on vient avec des choses logiques d'ingénierie, l'affolement que ça crée. Voyez, un exemple très rigolo, il se fait que, et bien avant le Covid, c'est une série de bâtiments parallèles, séparés par des atriums, et les couloirs, c'est des galeries à l'extérieur, à l'air libre. Et pour éviter qu'il ne pleuve sur les galeries ou que ce soit trop venteux, la paroi est faite d'une tôle d'acier perforée, hein, très transparente. Allez, si vous allez sur notre site web, vous pouvez voir un escalier qu'on vient de faire à la Maison de la Culture de Namur. Vous savez arriver à notre site web? Tout à fait. Je vais faire ça de ce Tôle pas. perforée. Alors, est-ce que ça va marcher comme ça? Voilà. Hop. Alors, Samin Ouais. and Partners. Voilà. Et ensuite, je vais dans Project Selection. News, la première ligne. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, Voilà. la première image en haut à gauche. Tout à fait. Hop. Ouais. Voilà. Bien. Il s'agit
d'un escalier Attendez, je vais. d'escalier est en chantier, donc la toiture n'est pas terminée. Essayez de la mettre en entier. Moi, je ne l'ai pas encore partie, si vous comprenez. Attendez, je vais essayer de la. Attendez, c'est parce que j'essaie de vous faire réapparaître à l'écran. Alors là, vous êtes un petit peu grand. Oups. Voilà. On improvise, on bricole. Alors, oui, je vais essayer de le faire. Je vais devoir diminuer un peu la photo pour que ça rentre. Mais parce que ça, Voilà. cet objet fort simple va me permettre d'évoquer toute une série de sujets. C'est donc des tôles de 1,5 mm d'acier galvanisé perforé à 80%. Donc, c'est tout à fait transparent. Mais figurez-vous que cette tôle porte l'escalier. Donc, la structure, c'est ça, avec des petits plats métalliques de 5 mm sur 40 mm. Hein, et ça tient très bien. Alors, vous comparez ça avec ce que vous voyez d'habitude, comme escalier de secours, avec des grosses poutrelles. Mais ça, je peux rêver à ce genre de choses, hein, et démontrer avec des belles équations que ça tient. Si je n'ai pas l'artisan de génie, le type qui prend fait et cause, je peux continuer à rêver. Et donc, je vous parlais de ces scientifiques qui nous aident au début quand on débroussaillait un sujet, mais après, sur le chantier, ces artisans, si vous voulez, sont nos partenaires vraiment essentiels. Hein? Et voilà un bel exemple. Et je trouve, parmi les jeunes ferronniers, parce que surtout des clampins de 25 à 30 ans qui ont une petite PME et qui font ça, qui sont du coup extraordinairement ouverts, hein, qui me permettent de faire des choses comme ça. Hein, et sans, je dirais, sans discuter, quoi, ils comprennent et puis on pose pas de questions, on travaille ensemble pour bien être d'accord sur le diamètre du boulon, hein, parce que ça va être 4 ou 5 mm, quoi, oui. Voilà un exemple. Parce que, oui, parce que parler de l'ULB et donc de tôle perforée. Et donc, comme ça n'est pas dans les normes incendie, on doit demander une dérogation au ministère. Hein? Évidemment, le ministère n'a jamais vu le sujet, et un de mes... bref, peu importe, un scientifique... un scientifique présent dit oui, non. Alors, donc, on a une tôle perforée avec des trous de 27 mm, pour dire à quoi ça tient, la construction. Hein? Et je veux dire, pourquoi 27 mm? Mais la perforation globale, la transparence est de 72 ou 73%, je ne sais plus. Hein. Et bien, ça a beaucoup embêté l'un de l'autre parce qu'on sait qu'avec 50% de perforation et des trous de 30 mm, ça marche. Et donc, on me demande de faire des trous de 30 mm, oui, alors que je suis beaucoup plus transparent. Mais je ne sais pas mouiller tout 30 mm. Parce qu'entre-temps, il y en a un autre qui a inventé une norme de dangerosité des garde-corps et qui a décidé qu'un petit cube de 2 cm de côté ne peut pas passer à travers un garde-corps. Donc, un cube de 2 cm de côté, ben, il fait racine carrée de 2 fois 2, c'est-à-dire, je ne sais plus combien, Ah bah moi non plus, je suis pas le 28 bon. mm, et c'est pour ça que j'ai mis 27 mm. Enfin, mais tout ça. Hein, il faut être respectueux. Le problème, c'est, enfin, non. La question, c'est qu'il faut parvenir à maintenir le dialogue. Hein. On peut tous se gourer. J'ai beau être prof de NIF et autres, je fais des bêtises comme tout le monde, hein, et j'essaie de m'en rendre compte avant que les autres s'en rendent compte, de préférence. Hein. Mais oui, c'est et donc je sais pas pourquoi on a dérivé là-dessus, à propos de quoi. On parlait de régulation d'urbanisme Oui, et le fait que la Belgique était de peut-être plus... régulation. Tout à fait. Mais il faut, si vous voulez, comme et je sais, parce que ça m'amuse, et il n'y en a pas beaucoup qui passent autant de temps à dessiner des projets comme moi, fatalement, mes collègues d'administration sont prudents, et c'est à la vis. Hein. À Et fait. donc, c'est vrai que quand je viens avec un dossier, je demande un peu plus de boulot, parce que je montre des trucs auxquels ils sont pas habitués, quoi. Hein. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est plus facile à l'étranger, parce que là, par contre, hein, je jouis un peu plus d'autorité. Hein. Et donc voilà. Alors, j'essaie de ne pas trop dériver sur les questions de pure architecture, parce qu'évidemment, c'est tentant. Mais on parle de construction, hein. Tout à fait. Pardon, de construction. Désolé, vous avez tout à fait Non, raison. non, je vous en prie. Alors, comment voyez-vous l'architecture dans le... Alors, attendez, parce qu'il y a quand même une question, je voudrais qu'on revienne dessus, c'est par rapport à ce pic des ressources. Et pour résumer, donc... Comment voyez-vous l'adaptation de la construction? Est-ce que, je veux dire, peu importe, de toute façon, un Alors. matériau va céder la place à un autre? Enfin, voilà. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la ressource dans le domaine de la construction? Par une pirouette.
Et quelle est-elle? Non, mais une pirouette tout à fait sérieuse. Je me vois, je suis académicien et donc je siège au palais des académies tous les mois et je rencontre mes nobles et distingués collègues de la classe des sciences, de littérature, de technologie de société. Et à un moment donné, je rêvassais, parce que parfois en séance on peut rêvasser, ne le dites surtout pas à secrétaire perpétuel, comme les nôtres. Hein, et en sortant de la pause café, j'apostrophe Bruno Coleman, notre économiste, disait: Bruno, au fond, l'unité monétaire internationale, c'est ni le dollar, l'euro, le yen, le renminbi ou le yuan, hein, c'est le joule. Et Emma, mais comme Bruno, ça fait un petit temps qu'il réfléchit, me dit: oui, je suis assez d'accord avec toi. Et donc, je suis très fier d'avoir l'avis de Bruno, qui trouvait mon idée pas si idiote. Mais il m'a fallu 3 ans. Et vous voyez qu'on manque d'imagination. Il y a 3 ans, je dis donc ça à Bruno, hein, mais au fond, l'argent, c'est l'énergie. Mais il n'y a que 6 mois que je me suis rendu compte que l'énergie, c'était donc de l'argent, par essence. Et ça a l'air un détail, mais je vais essayer d'être court, ce qui est difficile pour C'est moi, pas comme vous avez un remarqué. problème. Twitch, c'est un média extensible. Comme mon activité scientifique, alors pure de scientifique, concerne la morphologie structurelle. Alors, ce mot barbare signifie l'étude des formes des choses résistantes de manière à faire des économies, à la faire de la manière la plus adéquate, la plus appropriée, la moins consommatrice de matière. Et ça faisait des décennies que j'étais à la recherche d'une méthode mathématique rigoureuse. Et c'est pas plus grand des hasards qu'un jour, en vacances, je dois faire des équations pour me distraire, hein, que je découvre ce que j'ai appelé l'indicateur de matériaux, c'est-à-dire un nombre additionnel qui permet, sans rentrer dans les détails, si l'un ou l'autre intéresse, vous m'envoyez un mail, j'expliquerai, ou allez voir sur Wikipédia l'indicateur de volume et de matériaux d'une structure architecturale. C'est en anglais et en français, ça explique en gros ce que c'est. Bref, c'est donc une manière de trouver la forme la plus légère, peu importe le matériau, donc relative au matériau, pour répondre à une demande donnée de résistance. Et j'étais très fier de ça, j'avais fait énormément de doctorats à la PUB sur le sujet. Enfin bref, on a quand même booké pas mal de résultats sérieux au niveau scientifique. Et j'ai employé ça, entre autres, par exemple, à la gare de Leuven, en Flandre, où c'est ce qui a permis de justifier pourquoi, dans ce concours, ma forme d'arc était la moins chère, ce qui était vrai. Et donc j'ai employé ça à diverses occasions, jusqu'à où, à un moment donné, je ne sais plus quel. Qui me disait: oui, mais c'est très bien, mais ça, c'est une histoire d'ingénieur, faire des trucs légers, mais est-ce que c'est la moins chère? Et je me suis rendu compte que j'avais oublié l'essentiel, le coût, entre guillemets. Hein. Donc, en effet, ce qui n'est pas important. Ah oui, non, ce n'est pas le coût, vous allez me dire, c'est l'économie d'énergie, c'est le CO2. Hein. Et comment ramasser tout ça? Eh bien, en plus de cette étape, d'abord, il y a 2 ans, je me suis rendu compte de nouveau, ça c'est le samedi matin ou le dimanche matin, où je rêvasse avec une équation, que le rapport de l'énergie grise en joules ou en kilowattheure par mètre cube de matériaux à la contrainte de travail en pascal ou en newton ou en kilogramme par centimètre carré, comme vous voulez, qui est aussi un nombre additionnel, que ce que j'ai appelé l'indicateur de matériaux depuis lors, que le produit d'un indicateur de matériaux fois l'indicateur de volume fois la dimension de la structure fois la force était exactement la quantité de kilowatts dépensée. Oui. Et donc, voilà, donc petit progrès, et on continue, et puis on continue à développer cette théorie jusqu'au moment où il fallait définir cette valeur d'énergie grise par mètre cube. Et là commencent les discussions entre experts. Donc, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Hein, et chacun y va de sa petite idée. Et j'ai eu les chiffres les plus farfelus, hein, qui allaient de 1 à 10 pour la même chose. Mais chacun avait raison, parce qu'il parlait évidemment d'autre chose. Mais nous, constructeurs, qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, c'est l'énergie totale dépensée de la brique mise en œuvre dans la construction,
de la poutrelle soudée sur place, du béton coulé sur place, vous voyez, de la pièce de bois vissée. Et donc la pièce de bois vissée, eh bien, aussi eu l'énergie de la main du menuisier qui a tourné la vis. Hein, et donc il a dû manger au moins des patates pour cette énergie. Et donc, fil en aiguille, et là, tout le monde est maintenant d'accord avec moi, finalement, le meilleur élément, le meilleur critère de jugement de l'énergie grise, donc de l'énergie dépensée pour la construction, puisque l'énergie c'est de l'argent, eh bien on n'a qu'à diviser le coût du bâtiment par la prix moyenne à kilowatt. Hein, et scoop, ben pour le moment encore, ben vous avez 10 kWh pour 1 euro. Oui, hein, et donc, ça veut dire, très simplement, hein, et ça c'est quand même majeur dans la réflexion, c'est que si vous prenez un coût de 1 500 euros du mètre carré pour une construction, tout compris, hein, et déjà, c'est pas cher si vous enlevez la TVA, les honoraires, le machin, parce que la TVA, c'est aussi de l'énergie, hein, c'est avec cette TVA qu'on paye les routes, les chemins de fer, les hôpitaux et autres, et c'est aussi des consommateurs d'énergie. Hein. Eh bien, vous arrivez à 12 500 kWh par mètre carré, ou 54 gigajoules, si vous préférez, et vous comparez ça, hein, aux efforts verts d'économie d'énergie de consommation hebdomadaire. Hein, donc, et j'ai dit pour ça qu'il ne fallait pas isoler les bâtiments, hein, loin de là, mais cette obsession d'économie d'énergie en fonctionnement est très néfaste En parce fait, que. c'est toujours le manque de vision globale. Oui, mais. Mon ami Pascal, qui je pense est dans le chat ce soir, disait toujours il faut être holistique. Et d'ailleurs, il y a un exemple de Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas si vous Oui, connaissez, qui explique le principe de mettre les autoroutes françaises à 110 km à l'heure. Il dit, a priori, c'est une très bonne idée, sauf que si on prend un peu de recul et qu'on se dit que pour changer la vitesse, il va falloir remplacer tous les panneaux, et si ces panneaux sont fabriqués en Chine avec de l'électricité au charbon, le coût carbone de cette opération est en fait, on empire la situation. les exemples sont innombrables. Il n'y a que la bonne volonté humaine, la prise de conscience de l'humain, qui va faire la différence. Tout le reste, c'est du pipeau. Tout à C'est fait. franchement notre. C'est une question d'éducation mondiale. Et donc, alors, les matériaux ne seront pas un problème à vos yeux? Ça va évoluer, ça va être. Non, absolument pas. Si vous voulez simplement, à un moment donné, les gens ne pourront plus payer leur folie. Il va y avoir une autorégulation tout à fait saine. Hein. Et donc, en gros, le coût d'une construction est une image relativement précise. Ceux que ça intéresse, je peux donner des papiers scientifiques où je détaille ça vraiment par le menu. Hein. Le coût, dans une économie non biaisée, parce que vous parlez des cartels et autres, tout ça existe, mais même dans des expériences de laboratoire. Hein. Donc, les biaisages, c'est universel dans tous les domaines. Hein. Mais donc, les ordres de grandeur, et on décide de sa vie, non pas sur la virgule, mais sur l'ordre de grandeur. Et, on peut le déterminer comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, aussi, grosso modo, hein, la quantité de CO2 est proportionnelle à l'énergie. Hein, et que donc, si, avec votre prix, vous avez une idée du nombre de kilowattheures dépensés pour votre construction, vous avez aussi une idée, bon an, mal an, du CO2. Pourquoi? Parce que ce n'est évidemment pas uniquement le CO2 du béton qui va être incriminé, mais le CO2, hein, dégagé par la vache que l'ouvrier a mangé, hein, sans parler du CO2 dégagé par l'abattoir et le camion qui a transporté la vache et la viande. Tout Oui. à fait. Donc, Alors, justement, il y a donc, donc j'aime assez bien, c'est assez pragmatique. L'approche, c'est de dire, on va pas se pignoler sur les virgules. Tant mieux si un jour on y arrive, mais déjà, si on a un ordre de grandeur, c'est déjà suffisant. on n'y arrivera pas, ça n'a aucun sens. C'est une impossibilité. Hein, on pourrait dicter ça comme une loi, comme les deux lois de la thermodynamique, si vous voulez. C'est impossible. À fait. Et il faut accepter qu'il y ait des choses qui soient impossibles. Tout à fait. Alors, j'ai une question ici de Bekarem. Comment voyez-vous l'architecture de la ville de Bruxelles dans le futur proche lointain? Donc, on va donner 20-30 ans, comme ça, hein, 2040, 2050. Comment est-ce que vous pensez qu'elle va aller, comment est-ce que, évaluer, pardon, j'ai mal. J'en ai d'abord, j'en ai aucune idée, vraiment aucune.
Je vois un exemple. Ça va dépendre, par exemple, l'idée de rouler à 30 km à l'heure. Ben ça, enfin, quoi. Ça faisait longtemps qu'on aurait pu mettre ça en application. Hein, et 20 dans les quartiers résidentiels. Hein. Voilà des bonnes idées. Mais pour une bonne, il y en a 1 000 mauvaises, entre guillemets. Hein, mais donc, cette prise de conscience va modifier les choses. D'abord, rouler à 20 km à l'heure. Vous savez, une des conséquences des embouteillages à Bruxelles a eu un effet environnementalement, si on parle du village Bruxelles, extraordinairement positif. Bruxelles est une ville agréable pour la plupart des citoyens du monde. Ils sont toujours ravis de pouvoir séjourner à Bruxelles parce que ce n'est pas une ville, c'est une addition de villages. C'est une confédération de toutes petites villes. Oui. Moi, je suis ici à Uccle-Fort-Jacquot, Uccle-Place Saint-Jope, et j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Pour ma vie quotidienne, hein, tout ce que je n'ai pas, c'est l'opéra, hein, un peu de choses près. Hein, mais l'univers, je l'ai par l'écran, hein, bref. Hein, donc, je crois que serrer la vis dans ces questions de transport va accentuer le côté villageois de Bruxelles. Et dans le sens positif, je trouve ça très, très, très agréable. Que je ne peux que souhaiter que cette notion de services de proximité, d'utilité de proximité, de culture de proximité, se développe parce qu'elle n'exclut évidemment pas de voyager. Je vous dis, voilà, ouais, j'adore voyager, aller au bout du monde, mais j'aime bien mon petit village aussi. Oui. Tout ce que je peux espérer pour Bruxelles, c'est que cette tendance, cette caractéristique qui la rend si charmante et si attrayante pour les étrangers, se développe. Donc, que Bruxelles redevienne des histoires comme le quartier Nord, c'est des aberrations, par exemple. Oui. Hein, on n'a pas eu idée de. Mais. Ça, c'était ça, c'est un autre sujet, hein, comment les grands mythes, après avoir tout cassé en 1945, comment on s'est mis à mal construire. Hein. Et ça, j'avoue que c'est un autre sujet que je trouve passionnant, qu'on peut peut-être se garder pour une prochaine. Hein. D'ailleurs, c'est justement comment on passe d'une vision urbanisme, enfin voilà, justement comment la ville au-delà de la construction prend forme et comment est-ce qu'on peut arriver à lui donner une texture. Mais ça, c'est un sujet, c'est un pan entier, j'imagine. Par exemple, pour provoquer. Non, quand je parle de ça, les gens croient que je provoque, mais je suis très sérieux. Ça fait des décennies que je prône la verticalité. Hein? C'est une de mes questions, la ville verticale, et donc dans le futur de la construction, enfin voilà, tout à fait. Mais si c'est pour faire des gratte-ciel en 2025, comme on a commencé à le faire en 1950, c'est une aberration. Donc, c'est ce qu'on appelle un gratte-ciel, c'est généralement une usine à travailler avec un tuba, hein, et du verre réfléchissant. Hein. Mais c'est devenu l'archétype, donc un noyau dans lequel circulent les ascenseurs dans une boîte noire, hein, entouré de pissotières, et puis des bureaux qui regardent à l'horizon. Hein. Il n'y a pas un endroit de convivialité. Généralement, vous baladez dans des couloirs. Quand je parle de verticalité, moi je pense à des villages verticaux, à Cinque Terre, hein, aux Pays-Bas, au monastère de Rila, au monastère perché dans les montagnes en Europe centrale ou en Asie. Oui. Donc, mais on a tellement mal utilisé le potentiel de la verticalité qu'il est tout à fait logique qu'un humain normal se dise, moi vivre dans un machin comme ça, mais vous êtes fou. Et en effet, il faut être fou pour vivre dans des gratte-ciels verticaux qui sont des espaces divergents, où les gens se tournent le dos, donc c'est des espaces convergents avec des villages, avec des places verticales. Vous savez, c'est amusant, ça fait le plus grand des hasards, tout jeune ingénieur, parce que je suis principalement un constructeur, un ingénieur, revenant d'MIT, tout fier de ce que j'avais appris. J'avais principalement appris le calcul dynamique et les questions de tremblement de terre, qui n'est absolument pas enseignée en Belgique et en Europe. Et j'ai l'honneur pouvoir faire une conférence devant mes pairs ingénieurs, au Ravenstein, à Sirolbe, les ingénieurs et industriels, sur la ville verticale déjà. Vous avez rigolé, c'était en septembre 1972, hein, donc il y a quelques années. J'étais pas Et né. non, non. Et C'est pas et souvent que je peux dire ça, donc j'en profite. C'est juste avant, juste avant. Non, non, j'ai encore le temps. Mais c'est amusant parce que
Mes augustes aînés me regardaient de manière attendrie en disant oui, ce jeune Zazou. Hein, il croit que. Oui. Et bien, figurez-vous, il m'a fallu 50 ans, mais maintenant, j'ai un commanditaire chinois, Don Gao, l'inventeur des machines Handy Tools Works, hein, qui a par hasard entendu parler de nous et qui m'a invité. Et je crois qu'après 1 heure de discussion à Suzhou, la Venise chinoise, hein, on tombait d'accord. Et je vais faire, sur notre site, vous verrez, un Positech à Suzhou. C'est un village vertical avec des. Et il n'y a que 10 000 mètres carrés d'espace de vie, hein, dans lequel des ingénieurs fous inventent leurs robots tout poil. Le reste, c'est de la végétation, des balançoires, des espaces de vie. Et financièrement, ça tient la route. Donc on peut très bien faire ça chez nous aussi. Mais voilà. C'est un Chinois qui est le premier qui se rend compte. Et je suis absolument désolé de voir le manque de vision de beaucoup d'industries, d'administrations, parce que, exactement comme vous parliez de l'élimination des vitesses sur l'autoroute, on peut faire des villages verticaux adorables et libérant le sol pour la nature, moins d'agriculture. Il y en a assez d'agriculture. Hein, si, hein, pensons vraiment à la révolution alimentaire, c'est encore un autre sujet, mais ça aussi est en train d'arriver. Dans 30 ans, il n'y aura plus qu'un problème. Il est certain, je ne suis pas demain, je ne suis pas spécialiste en tout, mais il y a tout lieu de croire qu'il y aura beaucoup, beaucoup moins de bétail sur la planète. Hein, du moins ces bétails de ces Américains, Brésiliens ou Argentins, je dis, espèce de. Bah, énergétiquement, ça tient difficilement la route, évidemment. Ouais, ça n'a aucun sens. Hein, quand vous pensez qu'à l'heure actuelle, 2 tiers des protéines produites par la végétation est perdue, hein, parce que le rendement de transformation d'une protéine végétale en protéine animale est dérisoire, alors allez, au mieux 20%. Hein, on est en train de gâcher la planète. Mais ça, oui. Donc on arrive, je crois qu'on arrive, je suis très optimiste, et entre autres parce que finalement, hein, 50 ans après, tout à coup, il y a un type qui dit, ben oh, cette idée n'est pas idiote, quoi. Allez, on va le faire. Oui. J'en ai d'autres, hein, mais je sais, ce sera après moi, mon enfant, donc ça va bouger. Hein. Mais pour revenir à Bruxelles, Bruxelles est une agglomération de villages, et Donc, on appelle. quelle que soit la visualisation, que la forme que ça peut avoir, un renforcement de l'aspect villageois des épicentres Mais il se dans la ville, fait quoi. spontanément. Je veux dire, la famille, elle n'a rien à cirer de l'urbanisme. Elle veut un toubib, une école, un boulanger sympa. Mateusz, qui est dans le chat et qui est un amoureux de Bruxelles et encore plus de Saint-Gilles où il vit, c'est vraiment le narratif qu'il aime. Il dit toujours, c'est ce Ben, côté villageois, justement. et c'est ce qui fait le charme de Bruxelles. Et c'est pas. Elle arrive de la loi et la rébellion, c'est à pleurer, quoi. Je dis, comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Mais c'est une croyance, donc il faut le respect. Bon, on a le droit de se tromper. D'autres ont le droit de se tromper. Enfin, moi aussi, j'ai le droit de me tromper, d'ailleurs. Je revendique. Vous avez bien le droit. Donc, tac, tac, tac. Question, question, question. Parce que là, ça parle, ça parle, ça parle. Alors, vous parliez de continuité d'histoire. Avez-vous suivi le processus pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame? Ne trouvez-vous pas que l'annulation du concours ne soit pas une tragédie? Alors, ça, c'est une anecdote, mais la question derrière me semble beaucoup plus essentielle. Figer l'architecture n'est-il pas une erreur même pour un monument comme Notre-Dame? Je partage complètement ce point de vue, vraiment, parce que et en plus de ça, je dis c'est un peu une injure pour le gothique, parce que très curieusement, la seconde moitié du XXe siècle s'est entichée pour la Renaissance, et l'architecture moderne, ce qu'on appelle moderne, les gratte-ciels et autres, si vous voulez, c'est le même esprit que la Renaissance. La Renaissance a balayé avec dédain la période gothique qui était beaucoup plus inspirée, oui, et qui était basée sur l'invention. Donc en effet, toute construction est faite pour évoluer au cours des siècles. C'est beaucoup plus lent que tout le reste, mais
Les exemples sont innombrables de transformations, d'évolutions réussies. Oui, c'est dommage. Évidemment, comme beaucoup d'autres ingénieurs, passer à l'esprit de dessiner une flèche en acier de très très haute résistance, parce que là, ça pourrait faire sens. Mais en plus, ce qui est dommage, je trouve que, allez, quand on parle de quelque chose comme Notre-Dame, c'est évidemment un énorme monument d'histoire, et cet incendie qui devient un événement majeur dans son histoire, en voulant le reconstruire à l'identique avant, est une sorte de négation de cette partie-là de son histoire. Tout à fait, c'est pas juste, c'est historiquement pas juste, c'est bien dommage. Je crois que là, la France, qui est généralement très ouverte en la matière, hein, il faut le reconnaître, je sais pas, ils ont loupé le rendez-vous. Ok, mais Enfin, c'est très clair. Non, non, mais je trouve qu'ils ont loupé le rendez-vous. Alors, et là, voilà la caserne des pompiers Outaine. Ah oui, non, ça, ok. Là, donc, toujours Tanguy qui parlait des photos de votre bureau et qui dit qu'il regardait les photos de la caserne de pompiers Outaine et lui trouve un cousinage sympathique avec le bâtiment Bruxelles Environnement. Quel est le rôle de la lumière dans ce projet? Alors, je vais cliquer. Parce que nous l'avons ici et je vais le partager avec les autres, comme ça on en parle en entre guillemets connaissance de cause. Hop, non, c'est pas là, c'est là, voilà. Alors, oui, ben il faut rentrer à l'intérieur. Descendez plus bas, si vous voulez bien. Ah, Scrollez vers le bas. alors, hop, Scrollez vers le bas, si voilà. voilà, le voilà. Photo, voilà. Ici. Oui. Attendez, c'est amusant. Oui. Donc, c'est une petite caserne de pompiers. Alors, l'histoire de cette caserne est charmante. Attendez. Vous voulez Oula. passer. Attendez. Non, non, Attendez. c'est les photos. Hop. Avec mon doigt, je ne vais pas montrer. Il y en a une. Voilà. C'est la troisième rangée au milieu, là où on voit. Ici. En dessous. Celle en dessous. Oui, c'est Là. là. Oui. Voilà, Hop. exactement. Et voilà. Non. C'est un mystère. C'est pourtant. Ah voilà. Attendez. Celle-là. Oui, voilà, et voilà. Cela résume bien. Pour faire bref, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis beaucoup amusé à l'époque avec un commanditaire extraordinaire qui est François Cordelis, qui présidait aux destinées de Petrofina, qui en avait marre de voir ses stations-service apportées des États-Unis. Il dit, mais c'est une aire autoroutière, est-ce que tu peux me dessiner ça? Et donc, j'ai eu le plaisir de dessiner toute une série d'aéroroutes routières, vous les connaissez en Belgique, hein, Orival entre autres, et à Houghton, où j'ai dessiné une petite station service à l'entrée de la ville, faite de tôles métal déployées en courbe, de manière à se couper du vent des polders. Et le maire de la ville a été touché par le projet, il n'y a pas d'autre terme, et m'a téléphoné, il m'a dit, bien, je vais faire une petite caserne, est-ce que vous voulez bien faire ma petite caserne de pompiers? Et ma réponse était non, peut-être, j'arrive tout de suite. Et donc, j'ai rencontré, c'est des pompiers volontaires. Et c'était dans une zone un petit peu secouée au niveau social, où les gamins avaient le pavé léger, quoi. Et je dis, bah, si ils ont un pavé léger, on va la faire en vert, la caserne des pompiers. Hein? Comme ça au moins qu'ils s'amusent. Oui, voilà. Hein? Voir encore la tête ahurie de ce charmant monsieur le maire. Et j'ai dit, non, mais on va faire une caserne de pompiers, vous imaginez, hein? Ces gars-là, s'ils savent manipuler un pavé, ils savent manipuler une lance d'incendie aussi, hein? Donc on va en faire des futurs pompiers. Hein? Et comment est-ce qu'on va faire ça? Oui, dans ce côté, un peu explorateur socialement, quoi. Et donc, je rencontre le corps des pompiers volontaires, enfin, on se rencontre, on sympathise. Qui n'a pas d'admiration pour ces hommes et ces femmes, d'ailleurs, parfois, hein, qui risquent leur vie quand même pour sauver les autres. Donc, déjà, le programme est assez, enfin, plus que noble. Et à un moment donné, je perroge, vous savez, moi, la couleur, c'est l'artiste. Moi, je n'en prends pas de couleur dans mes bâtiments, ça, c'est sérieux. Et je vois leur mine s'assombrir. Je dis oui, mais non, je vais quand même pas mettre des sièges en plastique de couleur. Hein. Ben oui, je dis ben non. Et puis, je les voyais de plus en plus dépités. Et puis, je dis, mais vous avez des gosses? Et l'idée m'est venue comme l'histoire de Namur, là, avec le cinéma. Et je dis, ben oui, eh ben, la ville, il y a des gosses. Hein? Eh ben, j'ai déjà vu des dessins de gosses, c'est magnifique.
Hein? Eh bien, si on demandait à tous les enfants de la ville, hein, de faire une petite peinture qu'on mettrait dans la caserne. Et en deux coups de fusil à peau, les 2500 gamins de la ville, protestants et catholiques, qui ne s'étaient jamais parlé, ont reçu les déchets, un bel exemple de réemploi. Toutes les menuiseries du coin ont été sollicitées pour couper des dînes à trois avec leur chute de panneaux de n'importe quoi. Hein. Repetrofina, mon ami François Cordonis, qui avait racheté la firme Sigma Coating, lui demandait: François, est-ce que pour une bonne œuvre, la caserne de volonté, tu veux bien offrir des pinceaux et des pots de peinture? 8 jours après, les pots de peinture étaient distribués gratos dans toutes les écoles de la ville. Hein, et on a mis ces 2500 petits dessins d'enfants. Bon, je les avais fait perdre dans les tons du bleu foncé à l'orange vers le haut pour avoir le contraste par rapport au camion. Et c'est magnifique, quoi. Il faut zoomer sur les détails. Ces dessins sont des dessins de gosses de 7-8 ans. Absolument, on se promène et on regarde ça pendant des heures. Alors, le plus drôle, enfin, le plus drôle, non, évidemment, la plupart, c'est pas drôle du tout, la plupart de ces dessins étaient inspirés par la catastrophe de la caserne d'Enschede. Rappelez qu'aux Pays-Bas, il y a une caserne de pompiers, une ville qui avait explosé avec des trucs de feux d'artifice. Tout à fait. Et il y a eu Au nord d'Amsterdam, si ma mémoire est bonne, ouais. une dizaine de pompiers qui sont décédés. Tout à fait. Et tous ces enfants ont évidemment, en mémoire à ça, ont passé jusqu'à des. Alors imaginez-vous, 2 ans après, 3 ans après, le commandant d'Enschede vient visiter cette petite caserne de volontaires. Il me téléphone pour faire sa caserne. Et c'est comme ça que j'ai fait la nouvelle caserne d'Enschede. Oui, Ah, c'est comme quoi. génial. Comme quoi, une Ben chose oui, c'est ça mène à une qui autre. est si vous voulez. C'est comme ça que ces aventures doivent naître, quoi. Tout à fait. Et donc, je trouve, parce que j'ai failli l'oublier, vous soulignez un truc super important dans l'aspect durable, parce qu'on a tendance à se focaliser souvent, et potentiellement moi le premier, sur l'aspect environnemental. Mais pour être durable, ça doit être aussi l'intégration de. Et donc voilà, la caserne, c'est l'exemple même. Vous avez impliqué l'ensemble du tissu social du coin dans le projet, en fait. Le plus drôle, c'est que les gamins maintenant vont demander très poliment au commandant de pompiers de dégager les camions de temps en temps pour une surboom, quoi. C'est sympa, et si les pompiers le Oui, non, font, c'est et il y a des encore plus surboom sympa. où les camions sont dehors et les pompiers surveillent les voilà, ben, pour surveiller, font partie de l'histoire, quoi. C'est des belles histoires. Mais il faut. Donc, c'est incroyablement. Interactif, si vous voulez. Hein, on doit faire des choses qui soient aimables, c'est-à-dire dignes d'être aimées. Hein, et c'est tellement gai, si vous voulez, c'est de voir ces projets, sinon c'est meurt, quoi. Alors, salut à tous. Donc désolé, j'ai eu, voilà, je sais pas, j'ai eu une perte de contrôle totale de tout le clavier, le micro. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Et voilà, sorry. J'essaye de récupérer il y a 10 secondes. Alors je vais tenter le coup, mais là ça ne passe pas. Alors, attendez, hein. Sorry, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé. Hop, est-il parti? Parce que là, j'ai pas de réponse. Non, ben non, je n'ai
Je n'ai rien. Bon, ben, ça s'appelle un peu une explosion en plein vol. T'inquiète pas, ça arrive, puis on rigole entre nous, à ton aise, Raph. Ben, écoutez, je check ça, mais je pense que malheureusement, je vais, voilà, on va réessayer gentiment. Je vais continuer à l'appeler. C'est bien dommage parce que c'était. C'était fortement sympathique et donc voilà. Ça s'appelle une couille technique. Il est vraiment grand temps que je repasse sur une machine un peu plus stable parce que ça, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais rappeler à une suite. Hein. Je vais essayer sur le bouton au revoir. Ok. Je vais essayer donc de le joindre. Oui, double PC, mais. Enfin voilà, je vais trouver une solution. Voilà, Apple, voilà, c'est ça. Bon, bah écoutez, je vais effectivement planifier une seconde intervention. Parce que c'est vraiment dommage. Donc voilà, désolé pour l'aspect technique. Il y a plein de questions. Je vais sauvegarder le chat parce qu'il y avait plein de chouettes questions. Et donc voilà, je vais faire en sorte de donner une suite à ça. Alors attendez, hein, je fais une petite copie justement de tout ça. Tac, tac, tac. Alors, un petit thème, voilà, architecture, durabilité. Et je vais copier-coller les logs du chat. Comme ça, upload, voilà. Appelez le bureau, appelez le bureau. C'est ce que je vais faire. Donc, si vous me laissez 5 minutes, je vais essayer d'appeler le bureau. En effet, à tout de suite, je reviens. Hop, et je vous mets un petit comme ça, avec un petit comme ça. Alors, j'entends bien, tout à fait. Alors, dites-moi. Oui. 66.
Oui. 34. Eh bien, à tout de suite. Je vous reprends. Merci, hein, monsieur Sama. Désolé, mais voilà. Alors, on est parti. We are back. We are back. Alors, un petit instant. Donc, je l'appelle sur son portable et on reprend ça. On est back on business. Et merci pour votre patience infinie, les amis, parce que ça s'appelle une explosion en direct. Et donc, voilà. Oui, monsieur Sama. Alors, si vous êtes... Non, non, mais je suis désolé, j'ai une explosion en plein vol. Il y a mon ordinateur qui était unresponsive, donc je ne savais plus rien faire. Tout à fait. Alors, si vous êtes devant, je vais lancer l'appel et normalement, il n'y aura qu'à appuyer sur le... Alors, vous avez Skype devant vous? Attendez, je vais vous appeler. Ah, attendez, dites-moi. Vous êtes devant l'ordinateur? Et vous avez un mot de passe ou pas? Alors, attendez, ben je vais pousser, je vais vous appeler. Donc, normalement, vous aurez un bouton sur lequel décrocher. Voilà. Normalement, il y a un bouton vert avec prendre l'appel. Regardez en haut de la fenêtre. Normalement, il y a un bandeau noir avec des boutons de différentes couleurs. Et là, il devrait en avoir un vert. Prenez le caméra. Non, Ben, c'est pas... Voilà, vous pouvez recliquer sur la caméra après, de toute façon, c'est pas un problème. OK. Voilà, super. Ben, écoutez, monsieur Samin, un grand merci pour l'exercice rock'n'roll. Alors, hop, nous revoilà. Alors, normalement, si vous poussez sur le bouton de la caméra en dessous, vous réapparaîtrez. Sur la caméra en dessous, où ça tourne. Alors, donc dans Ah oui, d'accord, l'interface, je vois. voilà, Là. tout à fait. Et donc voilà, Voilà, bravo, super, merci monsieur Samin. Avec Alors plaisir. voilà, alors tout d'abord toutes mes excuses, mais je me suis retrouvé à un moment avec le micro qui ne marchait plus, le clavier qui ne marchait plus, la souris qui ne marchait plus, et donc il a fallu improviser. Et donc merci d'avoir patienté, surtout C'est pas de à problème, cette heure-là. Donc. j'ai de quoi m'occuper sur mon bureau. Écoutez, c'est génial. Et merci à vous, le chat, parce que vous êtes resté d'une patience infinie. Ça fait quand même un épisode d'une petite dizaine de minutes, si pas plus. Donc voilà. Je vous avoue que j'ai un peu perdu mon fil avec cet événement légèrement émotionnant. Est-ce que vous avez une petite idée d'où on était? Parce que là, je suis en train de me remettre du choc, moi. Remettez-vous. Alors, je reprends les questions. Tac, tac, tac. Alors, j'ai perdu du coup une partie des logs. Donc, j'ai ici la question de Valnor qui disait, tiens, petite question pour déconner, parce qu'on parlait du futur. Est-ce que ça vous a déjà posé la question de savoir comment on ferait de l'architecture sur Mars, hein, puisque maintenant tout le monde veut y aller et qu'on veut faire des villes. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, au fond, comment est-ce que je ferais un bâtiment là-bas? Très humblement, non. Franchement, je suis déjà bien comment captivé par cette planète Terre. D'accord. Alors, donc, on a parlé de la future de la ville. Et alors, en termes, voilà, ici j'avais aussi une question sur le biomimétisme, parce que c'est vraiment un courant qui est en train de prendre en puissance. Enfin, ça fait un moment qu'il est là, mais je veux dire, là, on en parle de plus en plus. Il y a des sociétés qui font de l'ingénierat de système. Que pensez-vous de l'approche biomimétique dans l'architecture? Vous parliez de Alors, termites, donc. un bâtiment ne roule pas, ne vole pas, ne navigue pas, déjà. Mais en plus de ça, il ne grandit pas. Il attrape des maladies, ça c'est autre chose. Hein, ne vit pas. Et donc, il y a des, si vous voulez, sujets. Comme ingénieur, on adore ça, évidemment, le biomimétisme.
y a quelques célébrités. Un biologiste du nom de Darcy Thompson avait écrit au début du XXe siècle un bouquin, je crois en 1911, s'appelle un bouquin magnifique, toujours captivant, qui s'appelle On Growth and Form, sur la forme de la croissance. Je crois que ça a été traduit en français depuis. Où, en effet, les animaux, si on peut correspondre une construction à un être vivant. La grande différence, c'est que la construction découle d'un besoin très différent de la vie, elle la contient. Ceci dit, comme ingénieur en structure, par exemple, les analogies avec le monde végétal ou animal sont innombrables. Mais c'est. Parce que bon, quand on parle de la biologie ou de la botanique, on parle de quelle échelle? Vous voyez, on parle du nanomètre, de l'électronvolt ou de l'année-lumière. Hein, nous, notre domaine d'intervention, oui, si vous voulez, la relation de la construction la plus intime, c'est avec la musique, pas avec l'art. Hein, si on parle d'architecture, alors pour moi, un grand mot, son partenaire ou sa partenaire, c'est la musique. Pourquoi? Parce que c'est une question de rythme et de dimension. Si vous voulez, vous avez un piano, ça a 7 octaves, et puis 2 notes d'extrémité, hein, et puis il y a les dièses, et tout ça pour se retrouver dans des palmes logarithmiques bien précis. Bon, ceux qui s'intéressent peuvent lire mes écrits sur le sujet, où je compare les ordres de grandeur musicaux et les ordres de grandeur architecturaux, et ou moins pompeusement, la construction. Si vous voulez, notre univers se situe aussi sur cet ordre de grandeur, entre le millimètre et le kilomètre. Hein, au-delà d'un kilomètre, c'est le paysage, hein, et en dessous du millimètre, ben, c'est l'affaire des biologistes, tout aussi captivante, mais je me concentre, je me limite, et c'est déjà vaste, hein, c'est cet ordre de grandeur. Je n'ai pas encore fait de bâtiment d'un kilomètre, je ne sais pas si c'est utile, une centaine de mètres, oui, mais de millimètres non plus. Hein, voilà, donc on est si vous voulez, la construction est plus une question de géométrie dictée par ce que c'est la main. Richard Sennett a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle Ce que c'est la main. Je crois que même avec nos ordinateurs et l'impression 3D, Dieu sait si j'use et j'abuse de ces artefacts, c'est tellement lié à la dimension de l'humain. Alors, à ce propos, parce qu'il y a le biomimétisme, et puis il y a un autre thème cher à de nombreux qui s'intéressent à l'architecture, c'est le nombre d'or. Alors ça, c'est une vaste blague qui a été introduite par un fumiste grand volé qui s'appelait Le Corbusier, ce qui n'empêchait pas qu'il était un architecte, un artiste très talentueux. Mais le nombre d'or, c'est l'équation, c'est phi, où x carré égale à x plus 1, pour parler simplement. Hein, et le chiffre, c'est 1 plus ou moins racine carrée de 5 sur 2, and now what? Hein, mais comme l'équation dit, x carré égale à x plus 1, ça s'adresse bien à un espace à deux dimensions. Mais la construction, c'est pas on ne parle pas d'un espace à deux dimensions, on parle d'un espace à trois dimensions. Hein, et là, ben, rien d'étonnant de se dire que déjà les Phéniciens s'étaient rendus compte, non pas en mettant ensemble d'équations, que le chiffre qui joue, c'est pas 1, plus ou moins 1,618 ou 0,618 comme nombre d'or, mais plutôt 3 sur 4, 0,75 ou 1,33. Hein, c'est-à-dire le triangle de Pythagore, ce qu'on appelle Pythagore, mais les Chinois l'avaient trouvé bien avant Pythagore, c'est encore une autre histoire. Hein, et ben, si vous voulez, c'est grosso modo la racine de x cube égale à x plus 1, CQFD. Hein, vous voyez, c'est la géométrie. Au fond, la construction, c'est quoi? C'est de la géométrie sensible et des matériaux sensibles. Oui.
et on peut faire feu de tout bois. Ainsi, en effet, regardez, le saut d'une grenouille peut être une source d'inspiration, ou les feuilles de l'érable dans mon jardin, une source d'inspiration, évidemment. Hein, mais attention au. Si vous voulez, c'est. Il n'y a pas de relation évidente, il y a des sources d'inspiration, mais ce n'est pas un outil de travail. Hein, une règle à calcul, une latte graduée à crayon, avec ça on fait un bâtiment, quoi. Hein, en regardant la manière dont un arbre pousse, on fait pas un bâtiment, on Mais apprend. ceci dit, alors c'est où en Afrique? Est-ce que je crois que c'est au Kenya, ils ont fait un hôpital, donc ils devaient climatiser un hôpital et ils se posaient de sérieuses questions sur l'impossibilité de le climatiser à l'occidental. Et si je pense que c'est oui, enfin corrige, je suis pas C'est certain du pays. le principe de l'intermédiaire. Tout à fait, Hein? Oui, tout à oui, fait. oui, oui. Mais attendez, Mais ça, je n'ai pas c'est dit du. Ah que oui, les pardon. animaux manquaient d'intelligence. Ah non, non, Attendez. pas du tout, mais je veux dire, ça, c'est Non, complètement mais oui, biomimétique, par exemple, comme mais approche. c'est une autre échelle. Oui, en effet, il s'agit d'un bâtiment à Cape Town, oui, à Johannesburg, je vois très bien, avec des cheminées de tirage. Écoutez, on est en train de terminer la maison administrative de la province de Namur à Salzine. Hein, et qui est basé sur ce principe, hein, où on évite les ventilateurs et les machines pour remuer de l'air. Vous savez, la ventilation mécanique, ça commence par l'humain qui ouvre une porte. Hein. Quand vous ouvrez une porte, vous mettez X mètres cubes d'air en mouvement, quoi. Et puis après ça, vous avez un feu ouvert avec une cheminée qui tire et intéresse qu'elle ne tire pas trop en hiver, quoi. Oui, donc, on peut multiplier les comparaisons, mais on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. C'est amusant parce que j'emploie ça aussi, hein, parce que quelque part, les outils de communication ou la manière dont on s'exprime est très importante pour faire passer une intuition ou une idée. Hein. Et donc l'ellipse est un sujet de choix. Et pour notre projet de l'école d'architecture de Lubumbashi que je fais avec les déchets de la ville, parce que en me baladant à Lubumbashi, j'étais sidéré de voir le nombre de ronds en béton qui traînaient dans les rues, enfin, de canettes de coca et autres trucs du genre. Je me suis dit que j'allais faire l'école d'archi en autoconstruction, les étudiants, et toutes les crasses qui traînaient, tous les déchets de construction dans la ville. Mais le principe, vous allez voir sur notre site le projet, est une thermique. Hein, oui, si vous allez sur le site. Alors, j'y vais. Hop, ça, la bonne nouvelle, Ah oui, c'est que ça n'a. ça c'est un autre projet au Burundi. Alors, il vient de passer. Donc, c'est dans News, Oui, pardon, c'est parce que je attendez. suis tombé dans votre carrousel. Allez Alors. dans le menu, dans projet en cours, je ne sais pas en Projet quel en nom. cours. Alors, Project Selection, Oui. Built Current. Ok. Voilà. Et là, vous voyez la troisième ligne à droite, là. Troisième ligne à droite, ici. Oui, voilà, ça c'est les côtes chez Lubumbashi. Alors, un petit Et c'est instant, fait. je clique dessus. Ah voilà. On va grossir tout ça. Eh bien voilà, vous avez l'image en dessous, là, si vous allez Ah plus bas. mince. Et ça c'est une maquette élémentaire avec une feuille de plastique pour montrer le principe. Donc c'est une structure en rond en béton avec les déchets de la ville, qu'on habille avec les tôles ondulées rouillées qui traînent partout. Hein, et puis on tisse un tissu de coton blanc à l'intérieur, hein, et ça crée une grande cheminée de tirage, si vous voulez. Et ça, c'est vrai que l'inspiration m'est venue en me baladant dans la brousse, en voyant cette termitière incroyable, quoi. Et le tout est habillé de chaume. Oui. Et ça, c'est un bâtiment qui coûte que de la sueur et de la bonne volonté humaine, quoi. Il n'y a aucun produit importé, c'est que les déchets. Oui. Mais si vous retournez à Current, un autre projet qui m'est cher au Burundi. Alors, attendez, hop, Curren, parce que alors, je fais des zooms et des dézooms, alors j'ai tendance à un peu bousiller le site. Voilà, Project Current. Non, non, voilà, attendez. La troisième ligne, Troisième le ligne. Ah oui, quatrième projet, ici, voilà. là. Hein? Oui, ça c'est un autre, c'est un projet de coopération avec la ville de Bruges. Je sais pas comment. Oui, quand vous baladez au Burundi, vous êtes effaré de voir des forêts d'eucalyptus qui sont saccagées pour trouver du fioul pour cuire de très mauvaises briques. Hein? Donc, il s'agit de faire un centre culturel, et donc, il paraissait absolument incongru de continuer
a contribué à ce saccage. Et par contre, en allant dans les villages, je voyais des artisans qui tissaient des petits paniers en osier. J'en ai un dans mon bureau à la maison, absolument extraordinaire, avec un raffinement peu connu. Et comme il fallait faire un projet de coopération et que le maire de la ville de Bruges voulait contribuer, la ville de Bruges va ouvrir une bobine de cordage para-aramide. C'est une résine de très très haute résistance, aussi résistante que les aciers des ponts suspendus. Hein, donc c'est de la très très haute technologie, mais que l'on utilise pour tendre un filet entre les eucalyptus auxquels on vient pendre des bâtiments en osier. Et comme ils sont pendus, mais ils ne s'écroulent pas sous leur poids. Hein, et là, biomimétisme, propos, comme les arbres grandissent, bien le filet va monter, et bien les villageois ajouteront un peu de vannerie au pied de ces structures que vous voyez ouvertes en dessous, de manière à créer aussi un tirage Donc naturel. c'est un bâtiment en rénovation, transformation permanente Oui. qui s'élève vers le haut. C'est ça. Il faut une génération, hein, parce que. Ah non, on est d'accord, mais effectivement c'est fascinant. Eh Tout à bien fait. oui, ces projets ont du mal à sortir de terre. Pourtant, ils sont logiques, ils ne coûtent pas cher. Hein, mais. Et qu'est-ce qui explique ça? Ah Que ce soit compliqué à accoucher, le manque de vision dont vous parliez précédemment? c'est bien connu que je suis un farfelu. Hein. Ça me paraît tout sauf farfelu, mais bon, Mais voilà. non, mais non, mais vous voyez, c'est je peux vous en montrer comme ça des dizaines et je dois continuer, je continue à les faire, à vraiment très sérieusement étudier des projets qu'on peut construire demain. Et puis un jour, tout à coup, c'est comme Don Gao qui est venu me chercher de sa Chine profonde pour son village vertical. Tout Vous à coup, parliez on le construira. du commanditaire inspiré. En fait, vous êtes en, voilà. Il en faut plus pour pouvoir donner plus de vie à des projets qui sont un peu Ah oui, je cherche. Moi, disruptifs. I'm fishing for brides. Non, je déteste le mot client. De gens qui ont un projet. En fait, quand vous dites ça main partner, ce sont les commanditaires, en fait, vos Oui, non, non. Ça, partenaires. c'est fait faible cas de mes associés, Non, de mes collaborateurs. pardon, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais Oui, dire non, non, qu'en non. fin de compte, le premier des partenariats commence avec le commanditaire. Oui, Il faut qu'il absolument. ait la Oui, foi. sans commanditaire, il n'y a pas de partenaire, c'est sa main. Hein. Hein, on peut être plusieurs parce qu'on a des gens qui nous font confiance, quoi. Tout à fait. Alors, j'ai pas mal de questions. Et donc, encore merci aussi à vous, hein, les amis, d'avoir. Julien Robinet qui me demande, enfin, qui vous demande surtout. Vous avez fait plusieurs projets à Louvain-la-Neuve. Que pensez-vous de ce village artificiel sur un faux sol? Comment vous imaginez le futur de cette dalle énergivore qui n'est plus dans l'air du temps? Alors, c'est quoi un vrai sol? Je ne sais pas. Hein? Non. Écoutez, je suis. C'est de ma génération, si vous voulez. Hein? Ce plan de ville, et je ne partage pas son opinion, mais on peut ne pas toujours être d'accord, fait sens. C'est-à-dire que ces dalles en béton ont permis de créer une infrastructure qui innerve une macrostructure de la manière la moins coûteuse possible. Donc, elle est là pour longtemps parce que elle est très peu coûteuse à faire fonctionner. Donc, c'est un très bel exemple d'économie circulaire. Louvain-la-Neuve. Et donc, c'est paradoxal hein, parce que elle donne tout sauf cette image-là. Mais en fait, sa rigueur conceptuelle, la logique avec laquelle elle a été pensée. J'ai beaucoup travaillé et j'ai été beaucoup protégé par Raymond Lemaire en particulier. Hein, si vous voulez, tout jeune gamin architecte construisant les premières maisons pour les copains, mais j'ai drainé tous vers Louvain-la-Neuve parce que c'était un endroit où les règles d'urbanisme étaient limpides. Si vous voulez, franchement, comparé à ce qu'on devait lire ailleurs, non, la manière dont les règlements se les bâtissent. Le règlement très sage, comme le vieux règlement des bâtisses de la ville de Bruxelles, était interprété dans les années 70. C'était de quoi faire fuir les bonnes volontés à Louvain-la-Neuve quand on étudie un projet. Encore maintenant, on a affaire à des interlocuteurs sérieux au sens humaniste du terme, c'est-à-dire
préoccupé de bien faire. Alors, c'est une université, donc vive l'erreur. Hein. Donc, si vous voulez, Raymond Lemaire, affolé devant ce pseudo-modernisme latent, a poussé un peu loin la barre avec la brique. Hein. Puis, il faut oublier, il faut se dire que Louvain-la-Neuve est arrivé, c'est amusant de parler de ça, parce que à un des pires moments de l'histoire industrielle, hein, au premier choc pétrolier. Et tout à coup, alors que le Belge a une brique dans le ventre, j'allais dire que le Brick a une Belge dans le ventre, hein, ça ne veut pas la même chose. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi clair, mais on vous aurait compris quand même. Ça paraît encore plus clair, ben ça c'est autre chose. Et donc, le gouvernement de l'époque, pour maintenir le pays sur ses pattes, a dû savoir comment faire pour éviter que toutes les briqueteries belges, toutes, ne tombent en faillite du jour au lendemain, vu l'augmentation du prix de l'énergie. Et il a demandé au docteur CSTC de trouver la parade. Alors, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais la résistance d'un mur, si vous voulez, c'est la résistance arithmétique du joint et du bloc. Et donc, vous pouvez faire un mur très résistant avec des briques très dures et un joint en sable, hein, ou des maçonneries résistantes avec des briques en massepain et des joints en acier. Hein. Et les vieilles maçonneries comme celles des murs qui m'entourent ici, hein, de 1830, mais elles sont faites en briques très dures avec des joints en sable, ou quasiment, hein, des joints en mortier mou. Donc ces vieilles constructions en maçonnerie pour laquelle la Belgique était connue avaient une vertu majeure, et c'était assez logique, de pouvoir se déformer, puisqu'en Belgique on est sous le sol assez mou, permettre au bâtiment d'être souple, semble assez logique. Nos amis français, sous de la roche, pouvaient construire en pierre de France, bâtiment ne va pas bouger comme les nôtres. Et puis, tout d'un coup, par hasard, plus moyen d'avoir des briques dures. Et le CSTC dit, ben écoutez, si vous voulez continuer à ce qu'on fasse des briques en Belgique, il faut faire des mauvaises briques, quoi. Et des bons ciments, donc du bon béton. Hein. Et donc, du jour au lendemain, on a eu droit à des briques molles et on a dû booster les mortiers. Et du coup, ben, fatalement, comme ça se fissurait, on a rendu la fissure légale et on a créé une norme autorisant les fissures. C'est pas la blague, c'est la réalité. Donc, oui. Et C'est donc, d'ailleurs un sujet sur lequel vous abordiez, et je trouve ça aussi fondamental, sur l'honnêteté, ou plutôt son absence d'honnêteté dans la plupart du camp des fabricants, et qu'il y avait justement parfois pour des intérêts économiques des horreurs et des aberrations qui étaient commises. Oui, non. It's a matter of survival. C'est à un moment donné, si vous voulez, ce qu'il y a. Non, ce que. La brique molle à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc, en fait, ce matériau moins bon que les vieilles briques, mais aussi moins cher et moins énergivore, du coup, hein, parce que ça a des qualités. Hein. Donc, on ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais construire en bloc creux, en maçonnerie de terre cuite, maintenant, est toujours censé. Hein. Mais plaquer une brique de parement sur un isolant, sur un bâtiment, ça c'est le délire, quoi. Hein. Ça c'est vraiment le délire. Hein. Et dire qu'il y a des endroits en Belgique où c'est imposé, ben là je ne construirai jamais. Hein. Ou bien je demande une dérogation pour construire en bois. Hein. C'est bien de mettre une doudoune sur un bâtiment, mais imaginez un peu sur votre manteau en velours épais. Lui mettre une tôle, quoi. Ouais, c'est à peu près ce qu'on essaie de faire. Non, ou du carton, plutôt. Parce que, hein, donc, et Louvain-la-Neuve, et en fait, à Louvain-la-Neuve, j'ai pris des positions très tranchées, puisque j'ai eu le plaisir j'ai le plus profond respect pour toute cette équipe d'idéalistes qui ont lancé, construit Louvain-la-Neuve. C'est un projet merveilleux. Il faut le temps pour qu'ils prennent. Alors, je peux comprendre maintenant, il y a des périodes de désamour. Mais le premier qui a dit il faut arrêter de construire en briques à Louvain-la-Neuve, c'est Bibi. Hein, et je l'ai dit en pleine pomme de Raymond Lemaire, qui ne m'en a jamais voulu. Et j'ai fait la Magna à Louvain-la-Neuve. Hein, vous imaginez tout à coup ce bâtiment en verre et tout blanc dans cette ville de briques. Eh bien, j'ai eu l'accord inconditionnel de Raymond Lemaire pour faire ça. Et pour parler de Louvain-la-Neuve, donc au début, comme un con, je suis envoyé de la brique. Hein. Et j'ai fait le centre Monet, un de mes premiers grands bâtiments.
l'autre côté de la nationale 4 en briques. Et évidemment, j'ai eu droit à de belles fissures pendant le chantier, mais ces fissures qui ont été très aimables à mon égard, elles étaient parfaitement droites. Donc on est venu mettre un joint silicone dedans. Oui. C'est la totale. Hein? Ça Mais s'appelle ça, avoir de c'est la la chance, vérité. être ou avoir, en tout cas que le hasard tourne dans le bon sens. Voilà, oui, mais ça, il y a toujours un bon Dieu pour les cons. Hein? Et c'est avec ces fissures qui sont apparues dans ce bâtiment en Centre Monnaie que je me suis dit, on s'ouvre vraiment de la gueule, et que j'ai définitivement arrêté d'envoyer de la brique en parement, hein? Et à Louvain-la-Neuve, de convaincre Raymond Lemay qui avait tout détruit. Hein? Hein? Imaginez aussi, on a fait après ça le siège à AGC aussi tout en verre, mais pour le reste, on continue à construire en brique, c'est une erreur. Hein? Donc, ça, c'est une maladie de jeunesse. Mais vous savez, ces parements en briques à Louvain-la-Neuve vont tomber naturellement. Ces parements, ces pots vont flétrir et on mettra autre chose. Mais ce n'est pas parce qu'on mettra une nouvelle peau en bois, en tôle, en n'importe quoi, en paille, hein, en chaume, toutes ces maisons à Louvain-la-Neuve, que la logique de cette ville est mauvaise. Vous voyez? Pas d'amalgame là-dedans. Elle fait ces maladies de jeunesse. Et elle a. Elle a été. Si on avait encore bénéficié de clean cart, mais cette ville aurait une autre allure. Mais c'est la technologie qui n'était pas au rendez-vous. Mais ouais, vaste sujet. Mais vous savez, pour trouver au monde des endroits où l'urbanisme a été aussi généreusement réfléchi qu'à Louvain-la-Neuve, il faut courir. Hein. Et sur une. Allez, enfin, Et mais. oui, la dalle. Oui, Non, c'est. je parlais pas de dalle, mais de. Allez, sur une feuille blanche, quoi. C'est rare de Oui. pouvoir démarrer. Enfin, il y a quelques projets qui sont pas tous heureux. D'ailleurs, il y a quoi? Il y a Brasilia, maintenant, il y a. Allez, zut, j'ai oublié son nom, là. Akon City, au Sénégal, le Oui, rappeur qui va investir un il y millier. a plein de trucs délirants. On va dire une nouvelle, ça existe depuis toujours. Hein. Mais le, oui, c'est. Non, mais Louvain-la-Neuve, ben, il y a des défauts, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de qualités que de défauts, quoi. Tout à fait. Alors, À mes yeux. on continue. Alors, il faut pas que je remette les deux chats parce que. Alors, Edina qui demande, vous avez travaillé sur le projet de la couverture de la gare de Leuven. Que pensez-vous de la Martelarenplein? Place des Martyrs, sorry, pour le massacrage du nom néerlandophone, du point de vue de sa minéralisation. Faut-il la reconstruire, entre guillemets, pour une meilleure appropriation des habitants? Bon, alors là, c'est un. Une zone où j'ai été malmené, malgré Louis Toback a été autant malmené que moi. Donc, pour revenir à cette histoire, on répond au concours, non, on est sélectionné plutôt avec d'éminents confrères étrangers d'ailleurs pour la couverture de cette gare, avec ma casquette d'ingénieur et de créateur de formes. Qui pourrait convenir pour des gars. Bref, on rapporte à ça et ça se passe avec une harmonie rarement vécue avec mes confrères, collègues, ingénieurs de la NMBS. Ouais, un chantier sans encombre et Louis Toback d'être ravi de ce projet. Et je ne sais pas comment les gens de KBC me contactent parce que ils veulent développer tout le flanc. Entre la gare et la maison provinciale pour y mettre le nouveau siège de l'assurance KBC. Et commence une aventure tout empreinte de Louvain-la-Neuve, il faut aller voir sur notre site, bref, avec un enthousiasme fou, extraordinaire, et on développe un projet que je considère être un de mes plus beaux projets, mais souvent les plus beaux projets ne se réalisent pas, et on se fait massacrer, et vous me permettrez de donner les détails par des actions de promoteurs indignes, avec des collusions d'architectes tout aussi indignes, à la grande tristesse et désespoir de Louis Toback, ça je peux vous le dire. Donc bah oui, c'est une occasion loupée. Le pire, c'est que le plan d'urbanisme avait été modifié en fonction de notre projet. Et ce projet, c'est sous forme de papier. Mais oui, ça arrive, hein, des fois. Alors maintenant, pour parler de la Martelarenplein elle-même, je crois que le sort d'une place, c'est d'être minéral. Hein. Vaut mieux ça que de la boue, quoi. Et sinon, ça s'appelle un parc. Et à l'endroit là, ben, c'était l'endroit d'une place, c'était pas l'endroit d'un parc. Par contre,
justement, entre la gare, entre la Martella-Roblène et le Provinzius, là, j'avais, moi, prévu un vrai grand parc, oui. Allez voir sur notre site, oui, Eh justement. ben, je partagerai ces différentes vues dans le Discord. D'ailleurs, si vous voulez continuer la conversation, voilà dans le chat le lien sur le serveur Discord. Et donc, je mettrai évidemment le site de Samens and Partners, mais je mettrai aussi les liens et les photos des différents projets qui ont été évoqués ici. J'essaierai de les 1, 2, 3, de les relister tous. J'en aurais peut-être oublié l'un ou l'autre, mais je ne pense pas. Alors, Oui, alors, propos, en bon académique que je suis, ceux qui veulent, tout ce qui est sur notre site est imprimable, libre de droit, hein, y compris, et ça je remercie mes éditeurs, n'importe quelle page des bouquins qui sont tous en PDF, et une condition pour publier chez n'importe qui, hein, c'est que après X années, les livres puissent être imprimé à partir de son imprimante à la maison, il ne faut pas aller acheter un vieux bouquin en solde quelque part. Vous faites c'est un mi-chemin entre les Creative Commons et l'open source en fait. Oui, tout à fait. Je trouve ça très 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 bien. C'est aussi Et complètement durable, ça, je oui, mais pense. c'est par exemple, je pense à Tony Seba, hein, Rethinking Humanity. Hein, quand il y a plein de chercheurs qui, ouais, c'est scandaleux, des gens qui devaient à tout qui pouvait être intéressant sur Internet. Ah oui, non, pour avoir l'info, il faut payer. Et quoi encore, hein? Je trouve que le savoir doit être gratuit. Tout à fait. De toute manière, fondamentalement, quoi. Tout à fait. Non, je suis absolument d'accord avec ce point-là. Que pensez-vous de... Attendez, parce que là, je crois que je confonds mes lignes de chat et donc je vais à ce moment-là rater plein de questions. Alors, je cherche un architecte inspiré pour un tiny house. Ça, c'est de Mathéo qui fait des vannes dans le chat. Du coup, ça lance un débat sur les tiny houses. C'est difficile à faire, ça. Hein? Ça, c'est des sculptures, le tiny house. Vous avez déjà eu l'occasion d'en faire ou... Écoutez, comme tout jeune archi, au début de dans ma partie archi d'activité, à côté de mon activité d'ingénieur, ben, j'ai commencé à faire ma réputation en faisant des maisons pas chères pour les copains, vivables et agréables, avec l'importance de la géométrie. Donc, certaines sont vraiment des petites maisons. Hein. Je fais des maisons de 120 mètres carrés avec quatre chambres, c'est faisable. Et à Louvain-la-Neuve. Hein. J'ai fait, oui, une maison de poupée pour les petits riens, avec du brol récupéré aux petits riens. Hein. Et je m'appelle, construite de mes blanches mains, hein, c'est tout dire, combien je me suis rendu compte que. C'est un sujet complexe. C'est plus de l'architecture, c'est ce qu'on appelle, j'aime pas beaucoup ce mot, moi, c'est plutôt du design ou de la sculpture, quoi. Hein, c'est pas évident du tout. Hein. Ça m'amuserait de faire une cabane comme ça, mais. Ah bah écoutez, je connais quelqu'un dans le chat qui est intéressé. Alors, Eh bien, vide-moi une note de café ici au bureau, on peut en parler. voilà, Mathéouche, l'invitation est lancée, hein. Que pensez-vous des bâtiments isolés par Attendez, l'intérieur hermétique jusqu'à la moelle, n'est-ce pas un non-sens? Et alors, je voyais, une autre question un peu plus loin dans le chat, c'est que pensez-vous des maisons passives? Est-ce que c'est vraiment énergétiquement, enfin écologiquement, une bonne idée? Écoutez, Voilà. il y a eu le steak frites, le hamburger et maintenant la maison passive. Hein? Non, ce sont des. Comment dire? C'est exactement comme l'histoire de la mauvaise brique en 1972. Hein? C'est un autre choc énergétique et il faut trouver une parade, un truc, hein, vite fait, bien fait, bon marché, si je puis me permettre, intellectuel. Et la maison passive est un. Si vous voulez, une maison passive, c'est un. Ça n'a, on en parlait au début, ça n'a de sens que si on y associe un coût. Faire un bâtiment même qui produit de l'énergie, c'est pas compliqué. Ça s'appelle une centrale électrique. Hein? Une centrale électrique et de l'énergie positive. Hein? Et on peut même dormir dans une centrale électrique.
Donc eux-mêmes, ils faisaient des spectacles et ils donnaient des cours. Donc après tout, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tous nos bâtiments sous forme de centrales électriques, hein? Non, I'm kidding. Hein? Mais pour le moment, les gazettes d'architecture BCBG sont bourrées de bâtiments zéro énergie, énergie positive, mais qui coûtent 4 fois le prix d'un bâtiment normal. Hein? Donc, et ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire des économies d'énergie. Mais la première chose qu'il faut faire, hein, à apprendre aux enfants, c'est fermer la porte, hein, de leur chambre quand il est quitte, de réduire le chauffage, bref, de faire quand l'énergie était pas chère. Moi, enfant, mon père était d'une sévérité drastique sur les économies d'énergie, quoi. Hein? Même s'il était pas cher, ben, il était quand même très cher, quoi. Mais il y a eu cette espèce de laisser aller, et donc, où finalement, hein, on fait des maisons thermos dans lesquelles on se balade à poil du matin au soir, même quand il fait moins 20 degrés dehors, quoi. Oui, c'est normal de mettre un pull en hiver. Et donc, rien que, je crois que les plus grandes économies d'énergie seraient faites par le respect de soi-même, et dire on est parcimonieux, hein, parce que la dépense, c'est le jour de fête, et c'est pas tous les jours, quoi. Et donc, isoler les bâtiments, ça fait sens, mais il y a des limites, hein, au bon sens. Et surtout, ça n'a de sens que si ça ne coûte pas plus cher. C'est alors c'est pas vraiment le principe de Pareto, mais souvent dans les tests d'optimisation, enfin moi je fais pas mal d'expériences utilisateurs pour les sites, et on dit toujours, voilà, les 80% des problèmes, on peut les résoudre en testant 5 utilisateurs, donc c'est relativement bon marché. Les 20% qui restent, il va falloir aller chercher ça avec des prix absolument démesurés pour aller chercher ces 20 derniers pourcents. Et la construction, c'est la même chose, mais encore à un niveau plus bas, quoi. Oui. Donc il faut isoler. Mais écoutez, je prends un exemple, notre ferme, 1830. Je n'ai pas encore isolé, mais je n'ai pas encore résolu et isolé mes murs extérieurs. Mais vous savez, notre consommation énergétique. D'abord, je demande de fermer les radiateurs, quoi, de vanne démostatique, et le week-end, si je vois une salle de réunion chauffée, je pète un plomb. Hein? Donc tout le monde est averti. Hein? Et notre balance énergétique de notre vieille ferme de 1830, bon, c'est pas le pire absolu, mais on consomme beaucoup plus d'énergie avec nos ordinateurs, hein, qu'en gaz de chauffage, quoi. Oui. Donc, mais c'est pas pour autant que, après tout, par exemple, l'isolation de nos toitures, je ferais bien de la refaire, mais ça coûte cher, hein, et pas sûr que ça fasse sens. Hein? Donc, c'est oui, on doit faire attention. Bien sûr qu'il ne viendrait plus. Mais prenez l'exemple du double vitrage. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a le double vitrage qu'il faut vitrer de manière excessive une construction. Hein? Or, généralement, c'est la tendance. Vous voyez? Alors, on fait une maison énergie passive, mais avec des grands vitrages partout. Vous savez que le double vitrage, comme source de pollution, ce n'est pas triste. Hein? C'est bourré de silicone, d'aluminium. Et comme on ne sait pas les recycler, pour le moment, on dumpe ça dans la terre ou dans le fond des océans, quoi. Chut! Hein? N'effrayez pas tout le monde. Et quand on parle de triple vitrage pour faire des économies d'énergie, ben on a encore Une aggravé la couche en situation. plus, oui. Hein? Voilà. Hein? Et donc, quand vous allez vous balader en Europe centrale ou voire dans la Russie profonde, oui, des maisons avec plusieurs châssis, c'est moins bon. Hein? Mais un siècle après, ce jour-là, 30 ans après, le double vitrage. Il y a peu de chances qu'il fonctionne. Et maintenant, il existe le verre sous vide, qui est lui tout à fait vertueux. Grand débat, est-ce que ce verre sous vide va devenir la solution? J'ai vraiment, je crois, être le parrain du verre sous vide en Europe. Casser les pompes de AGC jusqu'au moment où j'ai même mis ça comme condition pour accepter de faire le siège. Concours que j'avais gagné. C'est pas parce que j'ai gagné un concours que je suis obligé de le faire, quand même. Hein. Il y a des limites à tout, quoi. Hein. J'ai un droit, mais j'ai pas un devoir. Hein. Et Jean-François Héris, le patron d'AGC, s'était rappelé d'une entrevue houleuse avec son prédécesseur. Il dit, non, non, promis, on va développer le verre sous vide. Il a tenu parole, et AGC a développé maintenant le verre sous vide le plus extraordinaire qui existe sur la planète. Il est malheureusement encore très cher, parce qu'il doit être fait sous salle blanche. Oui, c'est un sujet. Il n'y a pas de vérité là-dedans, il y a simplement un écrit, et moi-même, je C'est suis. très intéressant, et un point commun,
qu'on retrouve quand même souvent dans de... Il y a des gens qui approchent la durabilité comme une sorte de dogme, et alors qui s'accrochent à des, comment vous disiez ça, des espèces de pièges intellectuels, là où vous avez sorti un truc que je trouvais assez parlant. Est-ce que je l'ai noté? Je ne sais plus, peu importe. Mais c'est qu'en fait, voilà, on ne peut pas faire l'économie de son intelligence, et que donc, en fait, vouloir prendre des raccourcis intellectuels, ça ne marche pas. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation et d'arriver au compromis le plus adapté. Et en fait, ce que vous expliquez en architecture, on retrouve ça. Jean-Pierre Raskin parlait justement, lui, en conception de produits et dans tout le design, mais je sais que vous n'avez pas le mot, la conception des objets industriels venait avec le même type de raisonnement. Donc voilà, il n'y a pas de choix, il ne faut pas toujours aller à droite ou toujours aller à gauche. Attention, dérive dangereuse. La construction n'est pas un objet industriel. Ah non, Bon, un c'est objet. Un... loin de moi le... Non, non, non. Mais je me permets de vous prendre là-dessus parce que c'est une confusion dans laquelle on risque de tomber tous les jours. Hein, et ce n'est pas parce qu'on emploie des composants industriels qu'on fait un objet industriel. Vous voyez, la nuance, elle est. Je voudrais répondre à la question qui a été posée, à laquelle je n'ai pas répondu, l'isolation par l'intérieur. Hein, Oui, ah, tout à fait, j'avais oublié celle-là. ben, c'est un pis-aller. Je l'ai fait une fois, et à nouveau, bon, ça coûte très cher. Hein. Alors, il y a des cas où. Ça peut faire sens. Et pour le bâtiment Europa, parlant de l'ancien Residence Palace construit dans les années 30, mais c'était une passoire énergétique. Et on a isolé le bâtiment par l'intérieur avec des blocs de mousse de silicate, avec des retours et autres, et ça marche très bien. Évidemment, on a réduit la facture énergétique du bâtiment à quasiment rien, et hyper confortable. Mais c'est un bâtiment, c'est un palais. Hein, si vous voulez, c'est la Maison Blanche européenne, quoi. Donc, pas dire que le budget était sans limite, mais j'ai disposé là d'un budget dont je n'ai jamais disposé dans ma vie. Inhabituel, ouais. Oui, mais, comment dire, c'était Johan Burgos, qui était le patron des services techniques du Conseil de l'Union européenne, et Jean Nouwings, architecte en chef à la régie des bâtiments, qui avait fait un cahier des charges et qui avait une vision. Qu'elle avait déjà eu toutes les couleurs, quoi. Et tous les gourous possibles et imaginables, tous les ministres aussi. Enfin, bref, une vision transversale, c'était enfin, un cahier des charges raisonnable. Voyez. Et en disant, bon, évidemment, pour ce bâtiment, il faut employer des matériaux durables. Et je garde un souvenir très reconnaissant. Figurez-vous, ça va vous étonner, je crois que c'est le bâtiment où j'ai eu le plus décidé tout seul tout. Le bâtiment Europa, j'en suis responsable A à Z, j'ai joui, ayant gagné ce concours, d'une confiance pleine, entière et permanente de l'administration. C'est étonnant. J'ai tout dessiné. Alors, vous imaginez que j'ai mesuré ma responsabilité. Je voulais un peintre, un artiste qui manipulait la couleur et des carrés en patchwork, puisque c'était un des thèmes du projet, l'Europe, la diversité, l'union dans la diversité, d'où les vieux châssis et autres. J'ai trouvé Georges Meurant, je trouvais l'artiste approprié, mais personne, j'ai trouvé personne pour contredire mon choix de Georges Meurant pour faire ça. Et ça a été le cas pour tous les détails techniques, oui, y compris l'isolation et autres. Bref, je fais une digression, mais voilà. Next project, mais ça n'est pas cher pour autant. Mais c'est les digressions, c'est ce qui fait justement toute la partie intéressante, je pense. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, où suis-je? Parce que je mélange de nouveau mes lignes de chat, moi. Donc ça, c'est de nouveau des discussions intra-chat. Que pensez-vous de l'eau potable pour rincer les WC? Comment c'est encore possible dans les nouvelles constructions? Pardon, quelle est la question? L'utilisation de l'eau potable pour les WC ou plein de choses, Eh bien, pas le circuit automatiquement d'eau grise réutilisée, ce genre de choses. le bon sens, c'est la toilette sèche, évidemment. Hein? Et des Mais circuits attendez. hydrauliques à double... Tant que faire se peut, vaut mieux éviter d'envoyer de l'eau potable à autre chose qu'à la boire. Enfin, ça coule de source. Hein? Mais à nouveau,
il faut voir le coût d'avoir un deuxième réseau, par exemple la récupération de l'eau de pluie. Hein. On essaie de le faire tant que faire se peut, mais ça a un coût aussi. Et il faut, avant d'amortir l'effort, l'énergie investie, hein, pour faire une économie, il faut être bien sûr On qu'elle. parle toujours en joules, hein. Quand vous parlez de coûts, vous parlez toujours en joules, hein. Ok. Ou en euros, comme vous voulez, ou en CO2, c'est la même chose. Hein. C'est les conséquences, hein, les moyens. Mais en effet, c'est tout ça, tout euro que vous dépensez, c'est l'impression d'une énergie dépensée. Et donc, mais oui, dans tous nos projets publics, les locaux sanitaires sont rincés avec de l'eau de pluie, évidemment, parce que là, l'exemplarité et les pouvoirs publics se doivent de faire ça. Dans les bâtiments privés, quand on vérifie le coût de l'installation, double, on ne le fait pas tout le temps. Pour les grands bâtiments, oui, mais non, de manière générale. Vous savez, c'est comme le photovoltaïque, ça fait sens. Hein. Mais si c'est uniquement pour économiser de l'énergie, c'est pas rigolo. Hein. Le photovoltaïque, il faut l'employer en parure, hein, c'est comme un diamant. Vous voyez l'Eurospace Center à Liebherr-Franzine, hein? Tout à fait. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est cette installation photovoltaïque. Et c'est amusant parce que j'étais, comment il s'appelle? Monsieur Georges Cottet, secrétaire général ou directeur général ou administrateur délégué de IDELUX, l'intercommunal de Luxembourg, qui était mon commanditaire. Et avant de partir justement en mission à Lubumbashi, je lui fais un mot en disant, Monsieur Cotin, je crois qu'il faut habiller tout ça de photovoltaïque. Et j'étais en train de discuter avec mes collègues, confrères, conservateurs du musée d'archéologie à Lubumbashi, quand mon GSM sonne et c'est Georges Cotin au téléphone pour parler du photovoltaïque. Et on a décidé ensemble, mais vraiment, on a dit, oui, on va faire ça. Et Cotin est un des premiers à se rendre compte que ça faisait sens. Mais moi, ça m'intéressait comme élément symbolique, si vous voulez, d'expliquer qu'à l'époque où on a fait ça, il n'y avait pas encore énormément de photovoltaïque. Il dit, mais oui, j'avais fait ma petite caserne à Autun, et puis l'un de l'autre projet pour un autre excentrique sympathique qui croyait, généralement des ingénieurs qui avaient la connaissance, qui savaient que ça faisait sens. Hein. Mais Liebherr-Franzine, c'est l'architecture qu'on a pu en faire qui est intéressante. Ceci dit, le bâtiment Europa, aussi, on a cette ombrelle photovoltaïque au-dessus du bâtiment. Elle n'était pas dans le concours, figurez-vous. Je n'avais pas osé. Mais là, je pousse un peu trop loin. Et concours gagné, je m'appelle en parler à Johan Burgos. Je dis, Monsieur Burgos, il y a un morceau que je n'ai pas osé mettre, mais qui me paraît essentiel. Il faut mettre une ombrelle photovoltaïque. Et il m'a répondu en bon hollandais qu'il est, ah, tiens, mais logisch. Et voilà. Et c'était fait. Voilà. Eh ben, ça c'est. Alors, attendez, hein. Lors d'un projet, réfléchit-il d'abord sur la structure, un peu comme le cas Calatrava dans l'optique sculpturale où ses considérations environnementales prennent-elles le dessus dans sa conception? Ah oui, ça c'est la question sur le processus de conception, Haute-Vie. Alors, je n'ai pas relevé cette question parce qu'en fait, on a commencé par un long chapitre où Monsieur Samain expliquait les paramètres qu'il prenait en compte pour la construction. Pour faire simple, tout. Et donc, il commence par le commanditaire et puis l'esprit du lieu. Et puis son environnement, son histoire. Et donc, voilà, je ne voudrais pas parler à votre place à Monsieur Samin, mais c'était pour éviter Bon. de Mais repartir sur un oui, point. un bel exemple, parler de Calatrava, c'est un sculpteur, c'est pas un ingénieur, hein, c'est des formes, et lui use et abuse de biomimétisme. Hein, et pas dit que ça n'avait pas de sens, mais ce sont des constructions hors prix. Hein, oui, pour vous dire, la gare de Liège, qui a la même fonction que la gare de Leuven, a coûté 33 fois le prix. 33 fois le prix. Et pourquoi? Voilà. Mais il y a toujours eu des excès comme ça. Donc, je suis absolument aux antipodes. Je vous parle d'économie, moi. Hein. Et le, le
La rose, c'est beau, hein, mais le bleuet aussi. Vous voyez? Est-ce que j'ai encore mon panneau de contrôle pour la marquer, celle-là? Voilà, hop, je la note. Mais vous enregistrez votre émission là. Je l'enregistre, tout à fait. Oui, parce que je mets juste par maniaquerie, je numérote tout. Ah oui, mais écoutez, C'est le protocole comme avec ça. plaisir. Par contre, Merci. d'habitude, je l'exporte directement sur YouTube. Étant donné notre petit incident qui fait que j'ai pas un live, mais deux lives avec une fin un peu bizarre et un début un peu paniqué, parce que j'étais en live avant même que je vous avais repris, Faudra avouer de l'octite. il va falloir que je fasse un petit travail d'édite. Mais voilà, rien de bien grave à ce niveau-là. Alors, et je vous enverrai évidemment toutes les informations après, hein, cela va sans dire. Alors, je vois s'il y a encore des questions. Quels matériaux utiliserons-nous d'ici 2050? Quelle sera aussi la place de l'architecte? La même. Si, attendez, les matériaux, eh bien, probablement, c'est pas sûr. Je ne sais pas. 2050, C'est loin. 2050, 2050, probablement tous ceux qu'on emploie maintenant. Moi, ça m'amuse d'employer des matériaux exotiques. Je donne quelques et mais pour des commanditaires avertis, hein, où ça peut faire sens. Et il m'arrive de développer des composants industriels très sérieux. Hein, je prends par exemple le bâtiment de AGC à Louvain-la-Neuve, où j'avais inventé pour le Palazzo Mattei à Éour, à Rome, concours qu'on a gagné, mais c'est jamais fait, des grandes dentelles à l'échelle du Colisée pour protéger du soleil les façades d'un bâtiment distraitement orienté par. Vous achetez un peu distrait des années 50, vous avez mis à Rome, ça ne s'invente pas, une tour plate avec les façades pleines est et pleines ouest pour être sûr de péter de chaud du matin au soir tous les jours de l'année. Hein? Et donc ce bâtiment était, enfin bref, à portée, dans la cave, il y a toujours, hein, une cave avec une dizaine de compresseurs Caterpillar gigantesques pour refroidir, produire des calories. Évidemment, c'est le siège des pétroles italiens, mais il est grand temps de le rénover. Bref, on a donc gagné ce concours en l'équipant de grandes ventelles qui protégeaient du rayonnement solaire, c'est la moindre des choses quand même, à Rome, mais qui laissaient passer la lumière naturelle. Et on en a fait une version réinterprétée en vert, avec des lignes peintes en blanc, sur des bandes de verre, avec des feuilles qui tournent face au soleil. Mais pour revenir aux matériaux, je pensais, il y a parmi les isolants, l'isolant le plus efficient, c'est le vide, hein, c'est l'air immobile. Hein, en fin d'année, donc pour le moment, on a des valeurs d'isolation de 0,3 watts, lambda 0,3, donc watts mètres degré Kelvin. Mais il existe ce qu'on appelle le bazogel, de la mousse de silice, qui a un lambda de 0,1. Mais ça coûte une fortune. Et puis c'est instable, c'est de la mousse de silice, c'est du et donc et j'ai employé ça il y a des années dans un double vitrage dans un bureau. Et 3 ans après, ce passager s'était lamentablement tassé entre les deux verres. Mais ça va venir, donc peut-être ça. Dans le genre, c'est un projet qui n'est pas encore mature, mais je connais des gens qui travaillent justement sur l'idée d'une maison la plus économe possible en ressources, énergie et autres. Effectivement, le rendement, c'était le métal et le verre sous vide. Je ne sais pas comment vous l'avez appelé, le verre avec du vide dedans. Comment que le Si vous voulez, c'est le verre sous vide. En fait, Le ce verre sous sont. vide, voilà, c'est ça. J'avais l'impression que Mais je me... sur les matériaux, par exemple, il y a des habitudes aussi. Hein. Si, c'est vraiment très culturel et dépendant de la société, hein, et des grands mouvements historiques. Hein. Il y a des tas de matériaux extraordinaires. Pour le moment, on a pris l'habitude de faire des bâtiments raides comme des triques. Hein. Il y a quelques siècles, le bâtiment était plutôt plus souple.
Et encore plein d'endroits sur Terre où les bâtiments sont souples. Quand on fait un bâtiment en tente, il est souple. Hein. Et une toiture ne doit pas nécessairement être raide. Une toiture peut bouger de 20 ou 30 cm, vous ne marchez pas sur votre toiture. Hein. Hein. Mais hein, et les ponts, ils sont raides, mais ils pourraient très bien être plus souples. Comme balader sur un pont en liane dans les Andes ou même dans les Pyrénées, ça bouge, quoi. Hein. Et le fait, cette obsession de raideur, normalisé fait que bah, on n'est pas tenté d'employer des matériaux résistants. Hein. Prenez l'acier, vous pouvez faire. On a commencé en montrant l'image de cette Les petite escaliers. escalier, mais c'est fait avec l'acier ordinaire, de l'acier primaire, si vous voulez. Hein. Mais nos voitures, par exemple, sont faites, donc cet acier, excusez-moi l'expression, en S235, donc sa résistance. Élastique, sa limite élastique est de 235 mégapascal. Par le plus grand hasard, j'ai fait il y a quelques décennies le centre de recherche de Sigma-Aragon pour mettre au point des tôles d'acier plus haute résistance pour le secteur automobile. Hein. Et bien maintenant, de savoir que toutes les voitures sont faites en acier S1200. Donc, 5 fois plus résistant que les tôles d'acier qu'on emploie en construction. Pourquoi? Parce que les voitures sont en coque. Et que donc la raideur est donnée par la géométrie. Hein, ben, si on se mettait à faire des maisons en morceaux de coque de bagnole, elles pèseraient 10 fois moins lourd parce qu'elles consommeraient 10 fois moins d'acier. Il est impensable pour le moment de trouver quelqu'un dans le secteur du bâtiment qui a des presses de la puissance de celle du secteur automobile pour emboutir des tôles qu'on pourrait employer en demi-millimètre d'épaisseur pour une façade de bâtiment, vous voyez, plutôt que d'employer des tôles beaucoup, beaucoup plus épaisses. Et tout à coup, pour on ne sait quelle raison, non, pour des mouvements sociétaux, peu importe, licites ou illicites, les choses se mettent en mouvement. Donc, il y a beaucoup de chances que d'ici 20 ans, non, d'ici 30 ans, on emploie simplement parce que l'industrie est une industrie lourde et immobile et qui emploie énormément de main-d'œuvre dont on veut se débarrasser. Hein. Il faut bien se dire, hein. Et là-dedans, hein, parmi ceux dont on veut se débarrasser, mais il y a énormément de génies, ça je peux vous le dire. Hein, mais avant qu'on leur donne le droit à la parole, hein, donc les matériaux. Non, mais écoutez, le travail du bois. C'est un art très, très difficile, très sophistiqué. Le bois est un matériau difficile d'emploi, difficile à concevoir un élément en bois est un art. C'est vraiment, il faut s'y prendre 2 fois. La brique, des blocs de béton, une dalle en béton, un châssis en aluminium, ça, il faut rien connaître, quoi. On commande sur catalogue, quoi. Amazon vous livre votre châssis à la maison dans le délai voulu. Hein, donc il y aura toujours ce monde sensible et moins sensible, quoi. Je veux dire, ça, c'est rien de neuf sous le soleil. Oui. Donc je crois que je crois. Il est difficile d'imaginer une restructuration d'un secteur tellement créateur d'emplois et créant la patate de base. Hein, de voir des évolutions majeures. Oui, et puis, en plus de ça, les normes, la normalisation a des côtés positifs et négatifs. Hein, et la normalisation freine le développement. Quand je viens avec l'un ou l'autre concept peu usuel, on m'oppose des normes. Hein. Un exemple pour faire comprendre ce que les normes peuvent impliquer. La taille des marches d'un escalier. Hein? Eh bien, en Belgique, une marche fait plus que 18 cm de hauteur hein, pour un plat de 24 cm. Ça, c'est l'escalier de secours standard. En France, l'escalier doit être plus plat. Aux Pays-Bas, il peut être plus raide. Et plus vous allez vers le nord de l'Europe, quand le mètre carré est cher et qu'il fait froid, au plus on accepte l'escalier raide. Et au plus on va vers le sud, au plus l'escalier peut être bas. Et ça, vous ferez une faute. D'abord, ce serait illégal. Mais en plus, vous ne seriez pas dans le génie social du lieu. Vous voyez, donc il y a énormément de facteurs qui la hauteur d'un garde-corps, par exemple. Hein, à partir de quelle hauteur la hauteur d'un garde-corps est-elle dangereuse? Eh bien, ça varie d'un pays à l'autre.
Chez le Hollandais, elle doit être plus haute que chez les Péruviens, par exemple. Oui. Non, mais non, c'est, si vous voulez, ces normes ont un côté surréaliste, mais nos vies sont aussi parfois surréalistes. Hein. Donc, Ça, on va s'établir. je ne sais pas pourquoi ça me renvoie à l'histoire du fait que la navette, donc la navette Challenger a la taille qu'elle a, la largeur qu'elle a, à cause du cul des chevaux de l'époque de la Rome antique. Et en fait, parce que, alors c'est une histoire, c'est-à-dire que les vias romaines ont été construites pour laisser passer un chariot. Un chariot qui avait donc deux chevaux, donc la distance d'une route, c'était plus ou moins avec marge deux culs de chevaux mis l'un à côté de l'autre. En fait, les vias romaines ont été un standard de taille pour les routes, et en fait, au fur et à mesure, on a construit la navette, ce standard qui s'était exporté, je vous passe le détail parce que je ne m'en rappelle plus, mais a débouté sur le fait qu'on a conçu la navette pour qu'elle puisse être véhiculée dans les routes, et donc la navette spatiale qu'on a envoyée dans l'espace est en fait un héritage de normes qui datent de la Rome antique. Oui. Ça, je vous renvoie de nouveau à quelques commun sur l'histoire des dimensions dans la Ah ben, construction. alors, vous faites une superbe transition, monsieur Samin, parce que je m'en serais voulu qu'on ne parle pas de ça, alors que ça, c'est vraiment un déchet. Vous avez commencé par dire, d'ailleurs, j'ai ce projet QQ-Coma et qui parle du futur, enfin, pas, excusez-moi, mais des questions de base, et donc ce serait peut-être pas mal qu'on aborde le sujet. Qu'est-ce que le QQ-Coma? Ah, quoi? Comment construire maintenant? Une question, il n'est pas inutile de se poser, et surtout, pourquoi? Hein? Tout à fait. À en croire toujours Tony Sebala, que j'aime beaucoup, hein? Créer des protéines dans des fermentateurs contrôlés. Et non pas dans le ventre d'une vache, hein, c'est-à-dire dans un immeuble de bureau abandonné rue de la Loi, ça peut être demain. Oui, hein, bonne nouvelle, il ne faut pas faire des fermes urbaines sur les toits à grand effet de pub dans les gazettes du village. Hein, on peut très bien faire des protéines pas chères dans des cuves en inox, hein, dans un immeuble de bureau d'une entreprise immobilière en faillite à Bruxelles, ça donne, hein, à manger à tous les Bruxellois, quoi. Oui. Donc quand on pense construction, il faut penser à quoi ça sert. Je vois un autre exemple. On a des voitures. C'est pas demain qu'on n'aura plus de voitures. Et avant les voitures, on avait des charrettes à cheval, et puis avant, on avait des rickshaws. Hein. Donc, quand on se transporte sur des roues, c'est pas demain que ça s'arrêtera. Hein. Et donc, quelle que soit la forme et les moyens, il faut bien les garer quelque part. Mais par contre, le parking a mauvaise presse. Et d'où on fait les parkings vilains pour encore expliquer que c'est vraiment pas bien, quoi. Hein? Mais moi, j'aime bien faire des beaux parkings. C'est agréable, ce parking, dans un parking éclairé et ventilé naturellement, tout en bois, tout propre. Hein? Oui. Mais quand vous sentez ça. Vous êtes un iconoclaste. Hein? Et c'est parce qu'on refuse le parking qu'on fait des vilains parkings. Par exemple, regardez aux Pays-Bas, ben, ils ont beaucoup plus relax là-dessus. Ils font des parkings aériens en pleine rue et on voit les voitures, quoi. Hein? Ou en Italie. Hein? Je veux dire, mais en Belgique, un parking visible, c'est quand même pas bien, quoi. Et Tu vois pourquoi puis, on dérive là, j'ai quitté le tout à fait. Mais je sais pas, et ça me renvoyait au parking arlois, qui, je pense, est presque un concept judéo-chrétien du parking, où il y a un côté souffrance. Hein. Il n'y a qu'une caisse. Ce Oui. parking fait 2 km de long, j'exagère, mais il y a une caisse à chaque extrémité. Et les places font très exactement 3/4 de véhicule. Comme ça, il est impossible de bien se garer et de ne pas souffrir sur le truc. Donc on a vraiment l'impression que là, c'est un truc en plus. Et ça coûte genre un rein et demi par jour.
Donc voilà, là on sent bien qu'on est. Je suis pas pro-automobiliste du tout, mais là on nous le fait bien, on nous le fait bien sentir que c'est mal, quoi. Alors, on vous remercie dans le chat pour confirmer des choses et pour votre avis. Dites-moi, pardon, excusez-moi, vous avez Non, parlé, non, j'étais. non, je n'ai absolument pas répondu à la question à laquelle tu étais censé répondre. C'était quoi la question? C'était quoi la question? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, je ne sais plus, parce qu'en plus j'ai scrollé dans le chat tout en lisant d'un œil distrait pendant que je vous écoute parler pour essayer d'arriver à la question suivante. Donc désolé pour la question qui n'est pas totalement répondue, mais en même temps on a d'autres informations qui sont si pas tout aussi intéressantes, voire beaucoup plus intéressantes. Donc c'est très bien. Alors, l'eau usée donc moins chère, donc ça, on passe. Quels matériaux utiliserons-nous d'ici 2050? J'ai l'impression d'être déjà passé par là. Je redescends encore. Toujours plus de verre. Excusez-moi. La construction des bâtiments avec des imprimantes 3D, effet de mode ou perspective réelle. Il me semble que non, pour une raison que les composants de construction, oui, vivent l'artisanat. Ça, c'est certain, exactement comme la photocopieuse est arrivée, on aura des imprimantes 3D à la maison pour nos loisirs. Mais aussi pour des choses très sérieuses. Donc ça c'est exactement. Hein. Rappelez-vous à quelle vitesse le téléx a été remplacé par le fax et puis a été remplacé par Internet, quoi. Hein. Donc l'imprimante 3D, on peut déjà s'en originer la maison sans aucune difficulté. Encore faut-il qu'on en ait un usage. Mais l'usage industriel est évident et on fera à façon. Et ça, c'est très positif. Des tas de petits composants utiles de construction en imprimante 3D. Je caresse un rêve d'un bâtiment, d'un marché couvert à Avilés en Espagne, fait en tôle perforée, aussi transparent que les verrières en verre et au cinquantième du coude. Hein? Mais ça n'avance pas, c'est curieux, alors que c'est une évidence. Mais ça me donne l'occasion d'aller discuter avec mes amis fous du centre de recherche d'ArcelorMittal à Avilés, et ils ont là une imprimante qui permet 3D, qui permet d'imprimer de la poudre d'acier S2550. Donc ça, c'est 10 fois plus résistant que l'acier ordinaire, par exemple du garde-corps, j'ai dans mon dos ici. Et mes hôtes ont eu la gentillesse de m'imprimer des gyroïdes en 3 dimensions, des petits cubes grands comme ça, hein, de 2 cm de côté, hein, avec fait de 95% d'air et de 5% d'acier. Donc, mettez une feuille de plastique, cet acier flotte. Oui. Et c'est un gyroïde, et donc à une taille absolument microscopique. Et c'est hallucinant de se dire qu'on est capable de fabriquer ça. Alors ça, c'est une pièce de musée. Hein. J'ai gyroïde, un cadeau précieux, si vous voulez, dans mon bureau à la maison, mais je le regarde quasiment tous les jours. Non, it's possible. Hein. Aussi, j'ai imaginé, elle est faisable maintenant, elle se fera peut-être, hein, mais d'imprimer une chaise en acier de très haute résistance, aucune chaise sur Terre, en autre matériau, n'est aussi léger. Elle pèserait 380 grammes. Je l'ai calculé. Et mon ami d'Avilés m'a imprimé des morceaux de cette chaise en acier comme ça. Donc ces choses, ça va arriver. Et donc pour l'instant, le problème pourquoi vous n'avez pas créé cette chaise, c'est qu'elle coûterait 70 000 Non, euros ou... non, non, c'est que on n'a pas le temps de s'occuper de ça pour le moment. D'accord. Mais c'est tout à fait viable, Et faisable, oui, et réalisable. alors, vous savez, écoutez, de temps en temps, il y a des trucs qui marchent bien. Hein. Mais je prends un exemple, voilà, de nouveau un commanditaire génial, Guido Ghisolfi, qui est malheureusement décédé depuis là, est un industriel lombard, visionnaire, grand capitaine d'industrie, pour imaginer, rachète HL, Royal Dutch, toute sa filière polyester, donc il faut dire qu'il avait les moyens et les banques qu'il suivait, et
se retrouve au centre Monet, à l'époque centre de recherche de Shell, à Louvain-la-Neuve, et trouve le bâtiment sympathique. De retour à Rome, me téléphone, dit ce que vous voulez faire mon centre de recherche. Je dis, non, peut-être, hein, c'est sympathique. Et de découvrir un homme extraordinaire et son le patron de sa recherche, qui est un Irakien, Hussein Al-Ghatta, fils de nomade irakien, PhD de tout ce que vous pouvez imaginer, professeur honoris causa de je ne sais pas combien d'universités américaines, mais un homme charmant qui était mon commanditaire, au fond, à qui Guido avait chargé de discuter avec moi. Et quand il me racontait, je me rappelle, il me ramenait un jour pluvieux à Fiumicino, sur le Raccordo Anulare de Rome, et on voyait les serres de légumes en bâches plastiques transparentes sur des tubes galvanisés. Et je disais, Hussein, why should we make the building like that? Ah, that's a bright idea. Hein? Et on a fait le premier bâtiment fermé, centre de recherche, hyper sérieux, sous tente. Oui. Mais pour ça, il a fallu hein, que Hussein Al-Ghatta un jour me reconduise en bagnole à Fiumicino. Hein. Et c'est devenu le premier bâtiment textile sur la planète qu'on a fait à un budget dérisoire. Et il est toujours là, c'était un bâtiment provisoire, mais ça fait 30 ans qu'il est là, quoi. Oui. Et il faut, donc, il faut des occasions comme ça. Et tout à coup, il y a une. Bon, ça paraît évident, un farfelu. Hein, oui, ce chercheur en macromolécules de polyester, il n'avait aucune idée de savoir la forme que devait avoir son bâtiment. Il ne s'est pas coûté trop cher, quoi. Et quand je. Voilà. Oui, donc Tout à fait. c'est généralement comme ça que. Et c'est C'est, pratique. c'est, c'est, j'ai un ami farfelu comme ça qui, à force, enfin, Envoyez-le moi. pourquoi pas, parce qu'il a trouvé le moyen de végétaliser l'architecture textile. Donc, Pardon? il a trouvé le moyen de végétaliser l'architecture textile. Et c'est dur à dire très vite à 11 h du soir. Et donc, voilà. Alors, j'ai une autre question. Combien de collaborateurs travaillent avec vous? Que c'est beaucoup plus pratico-pratique. Trop peu pour le moment. Nous sommes redescendus à 35, je crois, par manque de compétences. Je dois, pour le moment, j'ai récemment engagé une Biélorusse, une Libanaise et une Indienne de Bombay. Je Parce vois. que on cherche des architectes et des ingénieurs capables, non, d'être outstanding en Revit, un logiciel 3D qui est adressable. Et malheureusement, nos écoles belges sont incapables de fournir des. Et vous êtes en discussion avec les écoles pour ce genre de Oh, choses, ou bien il y a une espèce de caste, on ne peut pas. Oui, c'est ça, oui. Enfin, c'est terrible. c'est affolant, C'est mais enfin, terrible. Mais oui. ça va. C'est, voilà, Mais ça va venir, mais j'entends ça dans tellement de secteurs, et oui. c'est ce que j'explique Mais donc, souvent aux gens médusés. nous sommes à la recherche d'architectes outstanding en Revit. Hein? D'accord. Alors, ceci dit, on vient quand même d'engager un Saint-Lucard, un architecte de Saint-Luc. Bon, hein? Donc il y a quand même de temps en temps un Belge qui. Mais il l'a appris tout Sur le seul, quoi. côté, oui, tout à fait. Et puis, parce que depuis le temps qu'on dit à tous les gamins, écoutez les gars, si vous voulez travailler ici, on rigole pas, il faut vraiment savoir de quoi vous parlez. Désolé, mais il faut connaître la grammaire et le vocabulaire quoi, avant de parler, quoi. Donc, Tout à fait. on cherche, et idem du côté ingénieur. Et c'est je dis, je suis en train de faire le bâtiment de Polytech. Eh bien, il y a un désamour pour l'ingénierie qui est sentimental. Comment voulez-vous que des jeunes gens, jeunes filles de 17-18 ans trouvent un affect pour l'ingénierie avec ce qui nous entoure? Ben, je les comprends. Hein? Et donc, il faut vraiment. C'est un métier magnifique, merveilleux. Et on est tout aussi poète que le poète écrivain, quoi. Ah, c'est super intéressant. Hop, je le note d'ailleurs parce que je trouve ça vaut la peine. Et c'est marrant parce que il y a tellement de secteurs comme ça. On dit, tiens, ça devient dur de trouver du travail, mais en fait, ça devient dur de trouver des gens pour travailler. Et donc, il y a Et cette oui. espèce de paradoxe complètement fou où on se retrouve sur des rives qui s'éloignent avec des besoins complètement, j'allais dire concurrents, mais pas du tout justement alignés. Et pourtant, on n'arrive pas à se rejoindre au milieu. Donc, c'est assez fou quand même. Un exemple, trouvez-moi un bon carreleur. Eh bien, un bon carreleur, hein,
Ça se voit au premier regard. C'est un danseur. La manière dont un carreleur se meut pour poser un carrelage vous dit tout de suite la qualité de travail. C'est fascinant. C'est un spectacle aussi beau qu'à l'opéra. C'est intéressant. Du coup, je suis curieux de voir un bon carreleur maintenant. Si vous en connaissez un, je vais prétexter un travail de carrelage chez moi pour pouvoir observer c'est quoi la danse d'un bon carreleur. Ça, c'est. Mais quand le carrelage est bien fait, si vous prenez le temps, mais il faut prendre le temps pour ça. Non, mais l'artisan, hein, ce que c'est la main, le mouvement de son corps est essentiel pour faire bien son travail. Et il faut qu'il l'aime, et il faut qu'il ait pris conscience de l'importance de son mouvement, de son état de santé, de son état psychique, quoi. En clair, il mérite le respect. Tout à fait. Alors, encore l'une ou l'autre question, mais je pense qu'il est déjà 11h11. Il y a un moment, on peut garder Monsieur Samin pour toujours dans le chat, mais je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Donc, il y a un moment, je vais quand même vous libérer, parce que vous avez fait preuve d'une générosité absolument géniale. Et enfin, on sent évidemment la passion, et c'est génial, les gens passionnés, c'est toujours passionnant. Donc, voilà. Moi j'en cherche, hein. Moi, je suis Je suis passionné, passionné. mais je ne suis pas sûr que je sois passionné dans ce qui vous intéresse. Si vous me demandez de construire un bâtiment, je peux vous garantir qu'il y a de grandes chances que si on n'a pas du bol, il se casse la gueule. Mais. Mais vous pouvez pas vous imaginer les sources d'inspiration dont j'ai besoin. Elles sont transversales. Eh ben écoutez, j'ai la chance de connaître beaucoup de passionnés et c'est un peu ce qui caractérise. Voilà, mais on continuera. Je serai ravi de venir boire un café à votre ferme. Je sais que je Vous êtes m'impose à bienvenue. impose, mais voilà, je ne l'ai Ah perçu que sur oui, parce le. que, en fait, chez nous, grande nouvelle, quand j'ai créé Samin Associé le 20 juin 1980, j'ai dans les statuts écrit que je m'obligeais de démissionner comme boss le 20 juin 2020. Et le 20 juin 2020, 40 ans, jour pour jour, heure pour heure, chez le même notaire, j'ai démissionné. Et c'est ma jeune épouse, Ossa de Corte Guilain-André, qui sont les chefs ici. Et moi, maintenant, je ne m'occupe plus que de concevoir les projets. Donc, je me suis débarrassé de 50% du boulot qui était lourd. Mais donc, ça veut dire qu'on a une force de frappe plus grande maintenant, puisque je peux me concentrer Tout à fait. maintenant exclusivement sur ces questions théoriques et conceptuelles. Et les autres dirigent la boutique, quoi. Ah bah écoutez, le théorique et le conceptuel, j'aime beaucoup. Alors, une dernière question éventuellement. Est-ce qu'il y a une influence? Alors là, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mes amis. Alors, j'ai ici une flopée de merci dans le chat. Le Dino demande si vous avez un livre à conseiller. Alors, je peux me permettre de répondre pour vous. Tony Seba, qui a publié plein de livres qui sont disponibles gratuitement sur Internet et qui s'appellent Rethinking Humanity, Food et tout ça, vous en avez peut-être d'autres. Mais comme vous avez fait référence à plusieurs reprises pendant le chat, je me dis que si je devais déduire un conseil de lecture, ce serait celui-là. Absolument. Donc voilà, un Mais grand c'est. penseur. Pardon. Pardon, ces livres de prospective sont toujours à prendre avec un second regard. Mais, et j'en parle à beaucoup d'amis autour de moi, et je les relis puisque, écrivant QQ commun, je suis sûr de ne pas être en contradiction plutôt que d'être en phase, hein, et puis de tester ce que je prédis, entre guillemets, parce que écrire quoi, comment construire maintenant, en fait, c'est prédire l'avenir, hein, pour être clair. Hein, c'est un mensonge verbal. Hein. Donc, c'est de dire, tiens, moi, je crois plutôt qu'on va aller vers ça, quoi. Oui. Et donc, la lecture de Séba est amusante, en plus. Oui. Tout à fait. Alors, donc je vous disais donc pas mal de merci. Moi j'aime bien parler d'alliage d'acier encore une heure. On fera un live spécial alliage d'acier. Et alors, mais ouais, c'est Sam demande est-ce qu'un grand penseur slash architecte, excusez-moi, moi je commence à avoir du mal à parler, un grand penseur architecte qui aurait guidé votre vie éventuellement, une influence majeure Oui,
Alors, d'abord, comme dans toute activité intellectuelle, l'isolement est la pire des choses. Hein? Il faut de temps en temps prendre du recul, hein? Mais le foisonnement est essentiel. Alors, je suis fasciné par les explorateurs et les constructeurs. Je déteste parler de moi comme d'architecte, mais plutôt comme constructeur. Et ça peut être aussi constructeur d'idées. Et donc, vous ne serez pas étonné que. D'abord, les gothiques. Hein, j'ai été empoisonné intellectuellement par la Renaissance, aussi magnifique soit-elle, hein, subjugué. Mais le gothique est d'une profondeur tellement plus extraordinaire. Et actuellement, ben, disons, dans du siècle passé, il y a Frank Lloyd Wright, certainement. Et. Chez nous, Victor Horta. Hein? Et là, dans les vivants, il y en a un et le seul que je crois pouvoir citer, c'est Richard Rogers, hein, qui a fait entre autres Beaubourg à Paris et la Loyse à Londres. J'étais par hasard à Londres, juste avant le Covid, donner une conférence dans un immeuble de Rogers qui était face à la Loyse. Donc j'étais dans un de ces bâtiments, face à un de ces autres bâtiments, et la qualité, la maîtrise, l'élégance de sa manière est vraiment stupéfiante. Elle est beaucoup plus humaniste que plein d'autres architectes que je ne citerai pas, mais architecte vivant, je dirais Richard Rogers en tout premier lieu, par enfin, lui et son équipe, leur habilité à maîtriser la chose. Super. Eh ben, écoutez, un énorme merci, Monsieur Samin. Vraiment, Ça va. je vais vous laisser partir, mais voilà, après avoir insisté vraiment sur, mais ça se voit, hein, c'est ça qui m'avait touché déjà quand je vous avais vu en conférence. On sent une passion, une bienveillance et une vraie vision, un vrai pourquoi dans la mission. Et ça, enfin voilà, ça touche en tout cas. Moi ça me touche. Ah ben, je Et suis content. vous en êtes l'incarnation vivante en vous donnant comme ça pendant toute une soirée. Voilà, je trouve ça super. Merci à vous. Vous savez, c'est le prof, la prof. Pourquoi est-ce qu'il est important d'enseigner ou de conférencer, ou de blablater comme vous voulez, hein? C'est que ça force à structurer sa propre pensée. Donc, en fait, en vous parlant, j'étudie, si vous voulez, de quoi je fais. Tout à Qu'est-ce fait. que vous voulez vous dire? Je ne sais plus. C'est pas grave, je dis, Une autre. voilà, je le prendrai au mot parce que je suis très curieux. Je viendrai bien boire un café avec plaisir pour visiter votre superbe endroit. Et ça nous Tout donnera à fait. l'occasion de continuer la conversation et pourquoi pas d'en refaire un live. Ah Monsieur, oui. oui. Pardon, voilà ce que je dis. Oui. Non, non. I'm fishing for enlightened clients. Hein? Pas des gens riches, je m'en fous, mais des gens qui ont envie de faire un truc qui fait sens. Parce Tout à fait. que. Et en fait, j'ai beau essayer. Quand je cherche, je ne trouve pas. Généralement, ils se pointent, quoi. C'est ça, c'est merveilleux. Hein? Ils arrivent, la vie est bien Mais. faite, hein. Oui, mais donc en effet, toujours à l'affût, hein. Tout à fait. Eh ben, écoutez, un grand plaisir. Une excellente soirée à vous. À vous tous. Eh ben, merci. En tout cas, il y a un parterre de merci. Enfin, voilà, je pense que les gens ont vraiment apprécié. On reste encore. Je vais vous donner la suite des programmes, mais je vais laisser aller Monsieur Samin. Je vous souhaite une excellente. Est-ce que j'oserais encore dire soirée ou est-ce que je peux carrément tout de Absolument. suite dire nuit? Soirée. Salut à Et tous. voilà. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Waouh.